Do so, was there a reason? Yeah, I forgot about that. Yeah, uh, I, I think uh, I think we got oh, a guest oh, up there. Uh, uh, Reed, okay. You wanna uh, sure. get that? So so we got yeah some special guests here to celebrate Undertale's sixth anniversary with us, and uh, see. and uh, we'll see we'll see who this is. Oh. And uh, uh come on in. You can come in, it's fine. Yeah yeah, it's okay. Um, Oh, yeah, yeah. Reed, why don't you uh, yeah. you can sit down, okay? Yeah. And then, uh, uh and uh, what? so uh, so uh, so, so, so hi there. Yeah. Yes, please. So, so uh, it's uh, so it's it's so great to have you here. Um, Standing there is fine. Uh, do you is there? Do you want, Do you have like a birthday message, or maybe you've got some clips to show? Uh, oh man! Sorry, like back into my. Um, so you know, you know, we you were invited. Um, yeah, yeah. If you, you, just, just, if you uh, want to sit on the couch like, and just like join, us. that's fine. Now, calm uh, down, no, please, please, please. please. No, now, please, chill out a little bit. No, no, no. no. Les amis, ici Captain hype, enfin de retour. Ça fait longtemps, je sais. On en reparle en fin de vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce MBT sur le second chapitre de Delta Rune. Petit point pour commencer, comme vous le savez, j'avais traité il y a déjà 4 ans, ça ne nous rajeunit pas, le premier chapitre du jeu dans un épisode en deux parties, que je vous encourage à aller voir ou revoir, même si ça ne devrait pas être capital, puisque je vais réexpliquer ici les concepts que j'irai piocher là-dedans. De même que tout ce que je pourrais aller piocher dans ma série encore antérieure sur Un Hortel. Pour ce qui est de cette vidéo et de la suite, en l'état, c'est la seule que je prévois sur le chapitre 2, et vu le temps qu'elle a pris encore heureux, tout comme pour le premier, ce sera un regroupement de différents sujets autour du jeu, en l'occurrence 3, et on on va y aller dans un ordre quasi chronologique des différents éléments que vous devriez rencontrer dans le jeu en essayant progressivement de les lier thématiquement entre eux j'aurais bien quelques autres sujets d'intérêt je traiterai de certains plus mineurs au sein de ces trois grands thèmes vous avez vu la durée de la vidéo vous doutez qu'on va pas parler que de trois trucs il y a d'autres sous-trucs dans les trucs mais ils sont souvent plus de l'ordre de la spéculation sur la suite des événements du jeu que de la théorie ou même de l'hypothèse bien informée sinon donc nous verrons bien ce qu'il en sera dans les chapitres suivants tout simplement et notez sinon que je vais pas mal me servir d'images de mon play du chapitre 2. Donc, ça, c'est la chambre de Lancer C'est que j'ai fait lorsqu'il est sorti en stream sur Twitch, où vous pourrez me retrouver justement juste après cette vidéo pour discuter de tout ça et répondre directement à vos potentielles questions play que vous pourrez aussi y retrouver sur ma chaîne de VOD, tous les liens sont en description comme d'habitude. Euh, simple petite chose que je me permets de rajouter même si je fais littéralement jamais ça en début de vidéo d'habitude, mais voilà, la chaîne a eu un an d'absence, vous vous doutez bien que l'algo YouTube risque de pas trop apprécier ce genre de choses, ça me fait pas mal flipper, pour être honnête. Alors, sachez d'avance que si cette vidéo vous plaît, ou si me connaissant, vous savez qu'elle va vous plaire, et si vous avez moyen de juste la partager autour de vous, à des gens que ça pourrait intéresser aussi, et sinon simplement de la liker, de commenter, etc. Sachez que je vous en serais extrêmement reconnaissant. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire encore une fois, j'ai pas envie que ça devienne une habitude non plus, mais bref. Merci beaucoup d'avance, une fois n'est pas coutume. Et sinon, vous n'êtes pas sans remarquer également que cette vidéo est plutôt très très longue, alors n'hésitez surtout pas à la voir en plusieurs fois si besoin, on la garde de côté. J'ai mis des timecodes assez précis des différentes parties et même sous-parties précisément pour ça, alors n'hésitez surtout pas à vous en servir si besoin. Voilà voilà. Bref, cette petite parenthèse sur la façon dont je prévois les choses étant terminée, je vous propose comme à l'accoutumée un résumé des événements pour nous le remettre en tête avant de nous lancer dans le vif du sujet. C'est parti pour Delta Rune chapitre 2. Notre histoire commence le lendemain du chapitre 1. Alors que Toriel nous réveille énervée puisque nous nous sommes manifestement levés en pleine nuit pour entièrement manger la tarte qu'elle avait faite la veille, on y reviendra. Et vous remarquerez que j'ai aussi à dire on y reviendra dès la première phrase. Ça part bien. Rien de terriblement important chez Toriel ou à Hometown en général pour le moment, si ce n'est, je tiens à le faire noter, que le narrateur donne des descriptions différentes des objets dans les premières salles par rapport au premier chapitre. Descriptions qui ont une certaine tendance, je trouve, à être plus négatives, ce qui va se ressentir particulièrement dans la tradition mise en place par Undertale face au miroir dans le couloir à l'étage de la maison, qui décline notre reflet comme ce qu'ils appellent. Toi. Alors ça, c'est définitivement pas le même texte que dans le chapitre 1. Mais laissons ça de côté pour le moment, puisque l'important, comme teasé dans le chapitre 1, c'est de retourner dans le Dark World comme le souhaite Suzy. Et nous aussi, je crois à vrai dire, il s'est passé plus d'une petite nuit pour moi, perso. Alors, après une journée de cours qu'on passe via un move de spin run qu'on va nommer le Rompish Skip, puis un petit moment mignon avec Noël, notre voisine pour rappel, qui semble intimidée par Suzy pour une raison autre que le fait qu'elle soit flippante, et nous invite à travailler sur nos projets avec elle et Birdly, l'insupportable premier de la classe, un peu plus tard, il est temps de bondir. Dire, littéralement, dans l'action. Immédiatement abordé par Ralsei, celui-ci nous demande tout de suite de faire quelque chose en particulier pour pouvoir revoir les Darkners du chapitre 1. J'ai besoin... que tu retournes dans le Light World... Et que tu ailles dans la vieille salle de classe, donc celle où on s'est réveillé la dernière fois. À l'intérieur, ramasse tout ce qui se trouve au sol, et ramène-le ici s'il te plaît. Et en ramenant tous ces objets abandonnés, ceux-ci reprennent immédiatement vie, s'ajoutant au Dark World de Ralsei, le transformant et confirmant à peine 10 minutes dans le chapitre La théorie de la minutiarisation, dont on avait parlé pour le chapitre bon bah, 1. Sais, <laughs> Décidément, euh, ça part vraiment bien. Ralsei explique précisément ce que l'on avait supposé alors. Lorsque nous avons scellé la fontaine, le Dark World qui l'entourait s'est dissipé, redonnant sa forme réelle à la salle de classe abandonnée, dans le Light World donc, et retransformant les Darkners en divers jouets. C'est littéralement ce que je proposais dans le premier MBT Delta Rune, alors une fois n'est pas coutume, je vais me lancer des fleurs hein. Bien joué, moi d'il y a 4 ans. La seule chose qui manque, à vrai dire, c'est l'info sur si oui ou non la création des Dark Worlds est liée à Gaster, ou à un processus similaire à l'aspiration dans son expérience finale, telle qu'on la théorisait dans Undertale. Et en l'état ce n'est pas totalement clair, c'est secondaire à vrai dire, certains éléments vont dans ce sens, d'autres non, on va y revenir aussi. On peut alors explorer la ville, parler aux Darkners et apprendre tous les nouveaux systèmes que ce chapitre ajoute, dont le plus important est le retour en grande pompe de la capacité d'épargner d'Undertale largement étendue. Avant de repartir, puisqu'on va maintenant rejoindre Noël et Birdly pour faire nos devoirs, on a au passage l'occasion de découvrir les chambres que Ralzai nous a créées dans son château. Je vais pas trop pouvoir en parler ici, parce que ce sera largement hors sujet, mais qu'il soit bien noté que ce chapitre, et Delta Rune comme Undertale en général, fait un travail monstre, sans mauvais jeu de mots sur le développement des personnages, notamment via l'environnement. Et dans ce cadre, par exemple, l'agencement de la chambre de notre personnage, Chris, ici est particulièrement intéressant. D'autant plus dans le cadre où, et je ne pense pas que ce soit uniquement parce que Toby Fox avait la flemme, je pense que ça a vraiment un sens métaphorique, c'est littéralement une version miroir de sa chambre réelle, ou plus particulièrement du côté d'Azriel de leur chambre réelle, là où en vérité le côté de Chris est entièrement vide, vide de couleur également, presque décrépit et vétuste même. Pour le coup, on reviendra à tout ça plus concrètement, je plante ici des germes d'idées et de symbolisme dans vos têtes en vous le faisant remarquer une fois au moins. Il y en a d'autres occurrences dans le jeu complet évidemment. Bref, on ressort de là. Au passage, Lancer, Rules, et si on l'a rencontré dans le premier chapitre, l'original Star Walker. S'invite dans nos poches. Et après, il euh, y a ça. Et il euh, euh, y a une manif, ouais, je sais pas. J'en ai assez vu comme ça. Ça y <laughs> Au passage, si vous aviez récupéré l'œuvre de la salle de l'homme, avec un grand H, vous savez de quel homme je parle. Et puis, ça n'est pas poli de parler gens qui nous écoutent. Il est dans la voiture, juste en bas, au passage. Oui, il peut aller dans le Light World. Il fait ce qu'il veut, le frérot. On rejoint alors la bibliothèque pour rapidement se rendre compte que la salle informatique a manifestement été transformée en Dark World, et que Noël et Birdly sont à l'intérieur. Et c'est donc parti pour un second Dark World et une seconde destruction de fontaine. Assez rapidement dans ce nouveau monde, on retrouve Noël semblant traumatisé par quelque chose, comme le sont un certain nombre de Darkners aux alentours. Et justement retentit alors un rire démoniaque. Qu'est-ce que tu es exactement, toi C'est alors que Noël se fait capturer et qu'apparaît l'antagoniste principal de ce chapitre, Queen. Et je me permets de faire de petites précisions immédiates la concernant. Un petit peu tout le monde sait ça au point où on en est, mais je préfère le préciser quand même, histoire que les derniers, dans le fond, soient bien au point là-dessus. Oui, c'est bien le personnage qu'on appelait la reine dans le chapitre précédent. Oui, c'est en effet une sorte de reine, vu qu'elle dirige ce monde, le Cyberworld, et oui, elle connaît bel et bien le roi du chapitre précédent, le roi de pique, King. Cependant, notez bien qu'à notre connaissance, aucune relation particulière. N'existe entre les deux. Queen n'est pas la mère de Lancer, même si elle s'en rapprochera en fin d'intrigue, sa relation avec le Dark World est floue, mais on en reparlera, et elle n'est tout simplement pas la reine de pique, ou de n'importe quel symbole, on va dire. Elle dit d'ailleurs être un ordinateur, ce qui est généralement interprété comme voulant dire qu'elle est l'ordinateur portable dans la salle informatique une fois restaurée en fin de chapitre. D'autant qu'une forme inutilisée de cette pièce, dans les fichiers, nous montre que l'ordinateur en question était initialement remplacé par une calculatrice bleue qui est clairement Queen, pour le coup. Mais personnellement, j'ai un petit peu cette théorie que je pense plus précisément qu'elle est la carte mère de l'ordinateur en question. Ceci permettant un jeu de mots avec mère, qui marche aussi en anglais avec motherboard, expliquant pourquoi Queen est plus particulièrement une femme, et marchant un peu mieux dans le contexte où on va rencontrer certains fichiers de ce même ordinateur, indépendamment de Queen au sein de ce chapitre. Bref, quoi qu'il en soit, elle révèle qu'elle souhaite se servir des Lightners, et plus particulièrement de Noël, dans le but de dominer le monde via sa puissance avant de fuir. Nous sommes alors rejoints par Ralsei, qui est arrivé là parce que... Vous posez trop de questions vous posez trop de questions, d'accord Et l'équipe enfin réunie, nous sommes prêts à aller vaincre Queen, détruire cette nouvelle fontaine d'ombre et sauver Noël. Et Bertley aussi. Évidemment. Ceci commence par une traversée du Cyberfield, la première zone dans laquelle on finit par recroiser Queen, qu'on affronte dans un duel de pas punch out du tout, et qui nous propose alors de rejoindre son armée. Ce qu'on refuse évidemment. En continuant notre route, on croise le hacker qui servira entre autres pour le boss secret de ce chapitre, et on fait à Miami avec un groupe de trois rebelles, Sweet, Capen et Cakes. Des musiciens qui sont opposés à Queen parce qu'elle a rendu toute forme de musique illégale, malgré le fait que j'ai un banger dans les oreilles actuellement, et qu'elle est devenue globalement tyrannique depuis l'apparition du Knight et de la Fontaine d'Ombre. Tout ce beau monde a rencontré, on a globalement le setup pour se lancer dans le vrai cœur du chapitre et des jeux de Toby Fox en général, les interactions qu'ils vont avoir. On monte ensuite dans des sortes de montagnes russes pour quitter la zone où Queen nous a Attaque, échoue à nous capturer avec des cages, nous envoie Noël, ce qui échoue parce qu'elle ne voulait pas du tout nous combattre, et pour finir, nous envoie le grand, le terrible, Birdly. Oh non. <laughs> Je l'avais oublié. Celui-ci se révèle avoir choisi délibérément de servir Queen et, à but de lui-même, est persuadé qu'il dominera le monde à ses côtés dans une sorte de méritocratie des êtres les plus intelligents. Que dire de plus Bon, allez. Pas plus Birdly. Il se trouve cependant que les montagnes russes ne sont pas terminées et nos héros tombent dans la corbeille de la seconde zone, Cyber City. Assez rapidement, le chemin s'y sépare en deux et nous partons dans une direction alors que Ralsei et Suzy couvrent l'autre. On y retrouve Noël qui fuit Quinn, qui fuit Birdly, qui fuit toute forme de logique et pour résumer de la façon la plus intelligente possible, on décide de signer une alliance de circonstances avec Quinn, qu'on fait semblant de briser pour signer une alliance de circonstances avec Birdly, le tout pour vraiment les briser et s'allier avec Noël qui se joint à nous. Oui, c'était censé être intelligible. Traversant la ville avec elle, on finit par recroiser de loin Ralsei et Suzy, qui semblent prendre leur mission très au sérieux, ce que Noël comprend de travers et qui commence à tourner en triangle amoureux. Et c'est pas fini. On rencontre une publicité pour une grande roue et un vendeur de cadeaux pour couple qu'on peut tous deux proposer à Noël, transformant potentiellement la situation en un carré amoureux. Mais bon, on n'a pas le temps pour tout ça, parce que, attention, voilà Queen complètement torchée Elle semble réellement vouloir devenir amicale avec nous, mais à nouveau, j'ai pas le temps pour tout ça, parce que, attention, voilà Birdly complètement... Euh... Birdly, quoi. Et ces deux débiles occupés, on peut continuer notre route. Après des tas de péripéties mêlant voiture, souris et un certain chien, D'ailleurs, entre ces deux salles peut à nouveau apparaître la fameuse salle de l'homme, où l'on peut obtenir un nouvel œuf qu'on pourra cette fois placer dans le magasin de Sense. On pourra aussi les donner à Temi qui le comptabilisera, mais bon, passons. On retrouve Birdly, et ça fait beaucoup de rencontres, qui compte bien prendre sa revanche sur nous et nous prouver qui est le premier de la classe et mérite l'attention de Noël. Ça commence à sentir le pentagone amoureux, mais être bon en cours ne suffit pas dans ce monde, et on le repousse à nouveau, et rapidement ça sent les nuggets. À la salle suivante, on retrouve Queen et on monte dans sa voiture avec Noël parfaitement camouflé pour fuir Birdly et partir à la recherche de... bah ben Noël justement. Ensuite Potassium et après il y a un embouteillage. Ça commence à faire beaucoup de péripéties, je sais. Alors on descend de la voiture pour passer le feu vert et on se fait accoster par un vendeur qui semble parfaitement fiable du nom de... Spartans et Spartans. Ça va être relativement impossible de bien vous transmettre le combat qui s'ensuit. Comprenez simplement que j'ai joué à ça en stream en une seule fois au moment de la sortie du jeu qui est sorti à 2h du matin donc. Donc au point où on en était, il était 7h du mat, je jouais depuis quasiment 5h, j'en étais qu'à la moitié, les situations délirantes et les péripéties pleuvaient et je me retrouve face à ce Truc pour lequel Toby s'est lâché comme jamais. On dirait un shitpost géant. C'est juste incroyable et vous m'oterez pas de la tête que j'en ai fait l'expérience exactement dans les meilleures conditions possibles. Mais bon, grossièrement, pour les trois du fond qui verraient pas qui est Spumpton, c'est un scam vivant, l'archétype du vendeur de produits véreux, littéralement vérolé en prime, du génie pur. Et une fois vaincu, il nous donne des indications qui serviront aussi pour le boss secret, mais en l'état continuons notre route. Peu après, une fois Queen partie et la situation revenue à son calme, on en profite pour développer le personnage de Noël. Répondre à certaines questions profondes qu'elle semble se poser depuis Longtemps, et parler de son enfance avec sa propre sœur, Chris, et Azriel, qui lui semble maintenant si éloigné. Noël se livre totalement dans cette scène, mais Toby juxtapose volontairement ça à un puzzle que l'on fait simultanément et qui a lui aussi un message important. Tout ça dans le but qu'on ne puisse pas tout suivre simultanément. Alors je ne vais pas aller plus dans le détail pour le moment, parce que c'est probablement cette idée floue que vous en tirerez en jouant au jeu directement. On y reviendra. Bref, on retrouve le reste des fainéants qui étaient totalement en train d'essayer de sauver le monde avec nous, et on peut même être honoré de la présence de l'original Star Walker pendant un moment. Allons-y. Par toi. Et ensemble on arrive enfin au manoir de Queen devant lequel on se fait tous capturer. Enfin, tous sauf Ralsei. Mais... mais, mais... Parenthèse, je réalise ça au passage en enregistrant, mais je dis une fois sur deux Ralsei, une fois sur deux Ralsei, euh, faites avec, c'est comme ça, j'accepte les deux. <laughs> On se retrouve donc dans des chambres prévues spécialement pour nous dans le palais de Queen, et qui sont en fait une représentation des sessions d'utilisateurs, des ordinateurs, de la bibliothèque, si bien qu'il y en a même une pour Azriel par exemple. Et après intervention de Lancer depuis notre poche, on parvient à s'échapper, accompagné de nos deux nouveaux alliés, donc Lancer, qui va rapidement être transformé en pierre car ne pouvant pas survivre bien longtemps en dehors de l'influence de sa fontaine d'ombre d'origine, ou de celle de Ralsei, que ce dernier décrit comme universelle quand on le retrouve, et Burley, qui a changé de camp et nous raconte sa vie de mina Enfin, quoi qu'il en soit, ce dernier nous concocte alors un plan qui va consister à ce que nous et Ralsei fassions diversion pendant que Suzy prend un chemin dérobé pour sauver Noël et l'amener en sécurité à Birdley lui-même, le tout avant de se retrouver et de se débarrasser ensemble de Queen. Une fois arrivés en haut du manoir, le groupe se sépare en effet et le plan est mis en action. Suzy et Birdley prennent un raccourci vers Noël alors que Ralsei et nous continuons la route normale entre guillemets à travers un lac d'acide. Et ce, quand tout à coup... Alors pour vous la faire simple, en fait on pouvait se rendre compte dès le début du chapitre que l'ami Rookse le avait fui de notre poche dans le but de regagner sa noblesse auprès d'un autre monarque, Queen donc, et certains PNJ faisaient des allusions à sa présence dans tout le cyberworld. Et c'est donc en tant que pirate, pourquoi pas, qu'il débarque devant nous. De quoi Attends mais. Est-ce que c'est du mélange d'ancien anglais et de pirates Qu'est-ce que ça veut dire Sauf que. Oh zut, il peut pas survivre ici plus longtemps que Lancer, donc, donc à plus, Rolls. Pendant ce temps, Suzy a retrouvé Noël, qui est persuadé d'être au milieu d'un rêve, et lui avoue plus ou moins ses sentiments. Semble-t-il principalement pour la rassurer et la mettre en sécurité, Suzy joue le jeu, mais la situation se transforme globalement progressivement en un vrai rendez-vous entre les deux, puisqu'elles montent ensemble dans la Grande Roue qui pour une raison obscure part de la chambre de Noël d'ailleurs, et leur relation commence ainsi à réellement se développer. Bon, euh, cependant on s'emmerde, lesbienne Skip s'il vous plaît. À la fin de ces séquences elle retrouve Birdley et Suzy part nous rejoindre. L'oiseau bleu de malheur commence à s'excuser de son comportement passé envers Noël et semble enfin évoluer. Avant d'expliquer qu'il comprend que Noël a toujours eu un crush sur lui, mais que son cœur appartient à Suzy et qu'en fait c'est un hexagone amoureux. Tu m'outes les gestes de la bouche, là, Noël. Ceci étant fait, notre équipe s'avance enfin vers la fontaine pour affronter Queen une bonne fois pour toutes. Mais celle-ci ne semble pas tellement gênée par notre plan et révèle qu'elle a immédiatement capturé Noël et Birdly lorsque nous avions le dos tourné, se servant de ce dernier sous son emprise pour nous combattre. Tout au long du combat, on aide Birdly à se libérer, poussant Queen à battre en retraite. Elle révèle alors progressivement ses motivations. Elle agit en vérité comme tous les autres Darkners et vise à rendre les Lightners heureux. Elle pense simplement qu'en tant que machine parfaite, elle sait mieux que quiconque ce qui est bon pour eux et qu'une vie de servitude n'est pas forcément malheureuse dans ce cadre. Ça fait réfléchir. Et ainsi, elle doit absolument étendre le Dark World au monde entier en créant un nouveau Knight capable de produire plus de fontaines et nous apprenant au passage que n'importe quel Lightner qui posséderait assez de détermination est capable de plonger une lame dans le sol pour faire cela. Et ce potentiel nouveau Knight, elle souhaite le concrétiser grâce à Noël. Suscitant alors d'arrêter Queen, mais celle-ci revient immédiatement à la charge à bord d'un Mecha, jetant nos héros par-dessus le bord. Heureusement, nous sommes sauvés par tous les amis rencontrés dans cette aventure qui s'assemblent par le pouvoir de la métier et forment alors eux aussi un méca. Et c'est parti pour un rematch de Punch-Out! Mais après un combat acharné, Queen abat sa dernière carte, des mains détachables avec lesquelles elle parvient à nous asséner le coup final et à nous capturer. Elle se hisse alors vers Noël, mais grandie parce qu'elle l'a vécu dans cette aventure, cette dernière trouve enfin le courage de se soulever directement contre Queen qui comprend alors enfin que le monde qu'elle veut créer n'est pas celui qui rendrait Noël heureuse. Malgré tout, Noël et Suzy se demandent si le Dark World ne pourrait pas être un monde plus heureux pour tous que le Light World, si chacun y était libre évidemment, ce monde leur ayant permis de s'échapper et de résoudre leurs problèmes du monde réel, peut-être qu'il serait une solution pour tous au fond. C'est alors que débarque Birdly qui vient nous faire une Birdly et crée une fontaine d'ombre pour exaucer leurs souhaits évidemment. Quoi <laughs> Qu'est-ce qu'il qu qu était en train de faire là Heureusement, Ralsei l'arrête et explique enfin ce qui arriverait réellement si quelqu'un faisait ça. Créer trop de fontaines d'ombre et briser la balance entre la lumière et l'ombre amènerait le rugissement, la fin du monde. Des titans surgiraient alors des fontaines et dévasteraient le monde. Les Darkners s'éteindraient un à un, laissant les Lightners éternellement seuls dans une nuit sans fin. Petite parenthèse que j'ajoute là un petit peu à l'enregistrement parce que ça me vient. Je reparlerai pas tellement ici du rugissement parce que c'est encore un truc assez flou et Ralsei à chaque chapitre nous rajoute un petit peu de lore sur la fin du monde donc peut-être qu'il nous en manque encore. Mais je trouve intéressant le fait que ce qui est décrit là ressemble pas mal à la fin du monde tel qu'on l'avait décrite par exemple dans Undertale ou au Void de façon générale. C'est-à-dire que les Darkners sont censés être des objets et donc un monde sans Darkners dans une nuit éternelle où les Lightners, c'est-à-dire les humains et les monstres, sont tout seuls, c'est un monde où ils sont tout seuls dans le noir. Complet dans le void, intéressant comme parallèle, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Queen révèle qu'elle ne savait absolument rien de tout ça et qu'elle abandonne donc tous ses plans, acceptant de rejoindre notre royaume dans le Dark World de Ralsei, nous laissant finalement nous réveiller dans la bibliothèque et faire passer tout ça pour un rêve à Birdly et Noël après avoir enfin scellé la fontaine d'ombre. Bien, voilà pour le gros de ce qui se passe dans ce chapitre, évidemment après ça on a toute une séquence dans le Light World comme dans le chapitre 1, et à nouveau le plus important se passera chez Toriel. Mais je vous propose comme je l'avais fait alors de nous garder ça pour plus tard, restons-en pour le moment sur ce qui se passe dans ce Dark World, et commençons par traiter les deux grandes sous-intrigues cachées qu'il contient, à commencer par celle de son boss secret. Et pour parler du boss secret, il va nous falloir commencer par vous reparler un peu plus de Spamton. Alors allons-y. Spamton, de son nom complet Spamton, j'ai Spamton, est donc un mini-boss dans Cyber City qui sort d'une poubelle, où il vit, pour nous offrir un A deal, c'est-à-dire un accord, de façon à devenir un Big Shot, à être un grand de ce monde. Il semble être la représentation dans ce Dark World d'un spam par mail verroulé, et parle donc de façon glitchée périodiquement. Ah bon. Je me gagne des emails, mais maintenant je suis le gars des. Ah, brûle Ah Aidez-moi ah. Spamton se décrit directement comme le meilleur vendeur, et donc le spam qui a eu le plus de succès, de 1997. Il projette beaucoup de ses problèmes sur nous, un petit peu comme Papyrus pouvait le faire dans Undertale si vous vous souvenez de ça. Notez-le bien parce que ça permet, comme pour ce dernier, d'utiliser certaines choses qu'il dit sur nous pour comprendre ce qu'il ressent lui. Il ne parle sinon de lui que positivement, supposément pour se vendre globalement. On apprend ainsi dès le premier dialogue que son empire commercial s'est depuis effondré, l'obligeant à vivre dans des poubelles. Par extension, la façon dont il nous teste et le qu'il propose pour devenir un Big Shot est à nouveau surtout de la projection. Ce qu'il veut encore une fois c'est en devenir un lui-même et il se sert de nous pour cela même si dans ses glitches permanents il est difficile de savoir s'il le réalise totalement ou pas. Pour obtenir plus d'informations sur son deal et le boss secret, il nous invite dans son magasin dans la trash zone, où on peut, comme tous les vendeurs, lui parler de différents sujets, mais on y reviendra. Et où il nous indique qu'il y a quelque chose pour nous, entre guillemets encore une fois, aider à devenir un big shot au sous-sol du manoir de Queen. Pour y accéder, il nous faut trouver l'entrée de ce sous-sol, et pour ça l'énorme tête en forme de souris du hacker devrait nous aider à trouver l'interrupteur secret qui y mène, et un logiciel de génération de clés qu'il accepte de nous vendre pour la modique somme de... Ça fluctue. Arrivé au sous-sol en lui-même, qui est très différent du reste du manoir, semblant fait de parties abandonnées d'ordinateurs encastrées les unes dans les autres et oubliées jamais, et dont l'ambiance est de toute façon assez oppressante, d'autant qu'on s'y rend sans Suzy et Ralsei, on doit résoudre quelques énigmes et faire des esquives de malades dans un des manèges tasse avant de trouver une sorte de vieux robot abandonné contenant un disque dur qu'on doit ramener à Spamton pour qu'il s'y transfère et qu'on le remette là où on l'a trouvé. Spamton n'est alors plus dans son magasin qui est laissé entièrement vide. De retour au sous-sol, et le disque reposé donc, on retourne progressivement sur sur nos pas, lorsque soudain. Maudit tabarnak Qu'est-ce que je me sens bien Me voici, Chris. Grand, très grand. Plus grand et plus puissant que jamais <laughs> Ce pouvoir, c'est la liberté. Du moins, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que ces câbles Pourquoi ne suis-je pas assez grand Tout est toujours sombre, si sombre... Chris 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 Chris, Chris. Oui, c'est ça, j'ai besoin de toi, pour être grand J'ai juste besoin de cette petite... Âme um... Que tu as <laughs> Heureusement rejoint par Suzy et Ralsei, ainsi qu'un retour des capacités d'âme jaune d'Undertale, il va maintenant, câble coupé par câble coupé, nous falloir vaincre Spamton, devenu Spamton Neo grâce au robot, qui se révèle alors comme étant le boss secret de ce chapitre, en se retournant contre nous pour obtenir notre âme, avec, tout comme pour Jevil, une arme ou une armure et un Shadow cristal à la clé. Spamton Neo fait forcément penser à Métaton Neo et Métaton en général, à vrai dire. D'autant que s'il est battu par la violence, il fait mention d'une supposée forme Spamton X. Tout ceci de par son nom, la nécessité de l'âme jaune pour le combattre, sa forme angélique, la présence des leitmotifs de Mad et de Power of Neo dans son thème, outre celui de The World Revolving qui sera probablement commun au boss secret à l'avenir donc, son utilisation d'attaques se servant d'un cœur et d'une fonction recording/slash rewind, la référence qu'il fait au fait que la forme Neo soit connu pour sa forte défense, etc., etc. Et plus généralement, le robot du sous-sol semble avoir de l'importance puisque, d'après chaume durant ce dialogue lorsqu'on lui confie le cristal en fin de chapitre, c'est à l'intérieur du robot que se trouvait le shadow cristal, et pas entre les mains de Spamton, ce que sinon on aurait aisément pu supposer. Tout ceci posant au final la question de ce qu'est la machine en question, de son origine quoi. Et dans ce cadre, la phrase suivante de chaume est un bon premier indice. Je me demande, peut-être... Euh... Il y a de ça des années, que cette machine était importante pour quelqu'un. Pour en un certain Leitner, peut-être. Ou peut-être aussi que je fais des suppositions infondées. <laughs> Bien qu'en effet ça ne semble à première vue qu'être une supposition étrangement spécifique, on parle là de Shom, un personnage qui semble en savoir étonnamment énormément sur le monde, et qui est sinon une peluche de la classe de Gerson, qui a probablement connu de nombreux Lightners, et a potentiellement quelqu'un de très précis en tête. Et tout ceci est confirmé par certains dialogues de Swatch, le vendeur du manoir, qui le mentionne après que Spamton Neo ait été vaincu, et qui dit même avoir aidé le Lightner à créer le robot, qui était la concrète de ses rêves et était empli des espoirs du Leitner, lui donnant un pouvoir incroyable qui resta malheureusement inachevé et abandonné au final. Soit étant lui-même une référence soit à Paint, soit à la fonction de dessin de Scratch de par son nom, et le fait qu'il dise spécifiquement que le rêve ne s'est jamais concrétisé impliquant que tout ceci faisait partie d'un plus grand projet, sous-entendant que le Lightner qui a créé le robot l'a en vérité dessiné dans un but précis, au-delà du simple dessin sur les ordinateurs de la bibliothèque. Tout ceci avant d'abandonner le projet, même s'il représentait pour lui un rêve. J'ai deux interprétations de qui pourrait être ce lightner, à vrai dire, et de ce qu'était son rêve donc. Les deux sont des habitants d'hometown et probablement d'anciens élèves de l'école qui avaient accès à la bibliothèque ou plus particulièrement à l'ordinateur précis que représente certainement le manoir de Queen. Prenez bien en compte dans ce cadre, et pour rappel, que même si Swatch décrit avoir aidé le lightner en question, il est un darkner, la personnification d'un objet ou d'un concept du monde réel, entre guillemets, du lightworld, possédant aussi des souvenirs d'événements qu'il a vécu avant de devenir conscient. Ces événements peuvent donc, prédater la création du Dark World dans lequel on se trouve, et remonter à plusieurs années en arrière, comme semble suggérer le fait que le robot semble abandonné depuis un bon bout de temps. L'interprétation la plus simple de tout ceci, et probablement la plus répandue à vrai dire, est que ce dessin est une création d'Abstablook, le nom que Papyrus donne dans Undertale à la forme fantomatique qu'avait Metaton avant de devenir le robot que lui a créé Alphys, et à qui on peut justement parler enfin de tous les chapitres jusqu'à présent à Hometown, à travers la porte de sa maison. Abstablook aurait donc ici dessiné le corps qu'il aurait voulu avoir dans cette unique Également, sans jamais pouvoir le créer. Cependant, et c'est ce qui me gêne d'autant dans un jeu de Toby qui donne habituellement vraiment plus d'indices pour ce genre de choses, je trouve, aucune indication de ces événements n'existe ou ne peut être déduite dans le Light World en l'état. Bien que ce ne soit pas impossible, c'est uniquement une hypothèse circonstancielle, sans fil logique à suivre pour relativement le prouver, même si ça marcherait très bien, évidemment. Une autre solution que je propose donc ici concernant l'identité du Lightner en question suit pour le coup une piste mise en place dans le chapitre qui n'est en l'état pas utilisée, même si elle pourrait être un fusil de Chekhov à vrai dire, un élément qui servira spécifiquement pour un des chapitres suivants. Je parle du fait que cette description du robot, une partie d'une création qui représente les rêves et les espoirs d'un Lightner, et le fait que ces deux termes soient utilisés spécifiquement prend particulièrement de l'importance quand on parle de la personne dont on va parler, s'aligne également quasiment parfaitement avec le jeu abandonné d'Asriel, on apprend l'existence en début de chapitre 2 et dont il reste quelques fichiers d'un boss semblant inspiré de l'ange sur son ordinateur et qui semblait énormément lui tenir à cœur avant qu'il ne l'abandonne. Ceci sachant que Toby nous a également transmis l'information dans ce chapitre casguiel avait une session sur les ordinateurs de la bibliothèque, slash l'ordinateur spécifique dont on parle, puisqu'il a dans le manoir une chambre qui comme dit plus tôt représente des sessions avec un historique de recherche etc etc. A noter qu'une autre possible preuve casguiel a travaillé sur ce jeu sur les ordinateurs de la bibliothèque est que ce jeu, à travers le fait qu'il est un boss à l'image de l'ange et qu'il représente les rêves d'enfance d'Azriel, tout comme le faisait le God of Hyperdev de Nortel, est en lui-même une grosse référence à Nortel en général, justement, et pourrait en fait l'être indirectement. Azriel pourrait avoir, dans l'univers de Delta Rune, travaillé sur Undertale. Mais tout ça ayant été abandonné, ce qui pourrait aussi expliquer la description de Spamton Neo, qui cite précisément la première phrase trouvable dans les strings d'Undertale. Sauf que, dans le chapitre 1, pour rappel, on pouvait voir à travers la fenêtre de cette même salle informatique de la bibliothèque, l'annoying dog en train de coder un jeu. Possiblement donc ce même Undertale, dont les fichiers seraient restés sur les ordinateurs. Bref, il est également bon de savoir qu'on a bien là affaire au même Asriel, qui semble être très pieux et attaché à l'idée de l'ange. Le fait qu'il est recréé un boss qui faisait directement référence à l'ange dans Undertale, Métatone Neo, avec ses grandes ailes et sa forme de rune Delta, ne serait pas étonnant du tout, même si je conçois que c'est bien moins poétique que la solution d'Abstablook. Reste enfin, si on ne veut pas trancher la question, et c'est probablement ma position personnellement, à vrai dire, la possibilité que ces deux solutions soient vraies simultanément, et que, dans le cadre de son jeu, Asriel ait été aidé par Abstablook, qui aurait créé sa forme robotique dans le jeu. Rien ne l'indique vraiment à nouveau, mais c'est là le meilleur des deux mondes à mes yeux. Enfin, revenons-en à Spamton. Après le combat contre Spamton Neo, les autres vendeurs de Cyber City sont trouvables près de son magasin, dans la Trash Zone. Ils racontent que Spamton était comme eux avant, jusqu'à ce qu'il commence à recevoir des appels mystérieux et rencontre un succès soudain, d'où la symbolique du téléphone autour de lui, lui permettant d'aller jusqu'à s'installer dans le manoir de Queen. Succès qui finit par disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. D'après ce que dit Spamton, ces événements ont dû avoir lieu, ou commencé du moins, en 1997. Une date qui est également mentionnée par des ennemis de Cyber City, les viroviers au qui disent happy new year 1997. Étant donné qu'ils sont censés représenter des virus, cette réplique, au-delà de leur nom, qui est déjà bien assez clair, étant une référence au virus happy 99 avec l'année 1999 à la place de l'année 1997, et leur phrase I've got a letter for you, au vert informatique I love you, la façon dont le spam que représente Spamton aurait eu du succès aurait certainement été via un virus donc. Ce qui explique aussi probablement comment il se serait soudainement effondré. Son virus, vaincu par un antivirus tout simplement, représenté dans le Dark World par les Ambulance, qui affrontent directement les Virouvirkun, même quand les deux sont en combat face à nous. Mais la question de qui a aidé Spamton reste en suspens. Il est fort probable déjà que ce soit la même personne qui a déjà parlé à Jeville. Tous les deux partagent une histoire similaire d'avoir été rendus fous par un mystérieux personnage, semble-t-il, avant l'arrivée du Knight. Ce qui me permet au passage d'un petit peu corriger ce que j'ai pu dire dans mon interprétation du chapitre 1 concernant Jeville. chom disait à son sujet Mais récemment, un chevalier est apparu. Cet air n'avait jamais connu de tel chaos depuis... <laughs> eh bien, disons que tu n'as pas besoin d'entendre parler de ça. Dialogue qui a lieu avant qu'il ne nous parle de Jeville, et qui fait en fait probablement référence, en parlant de chaos notamment. Et puis, dans les deux cas, pour Jevil vu qu'il a été enfermé dans le château représentant l'armoire de la salle de classe, longtemps avant les événements du jeu, et pour Spamton, étant donné que son succès date de 1997, et que l'arrivée du Knight pour créer le Dark World date de la nuit du premier au second jour du jeu, il est assez clair que le mystérieux personnage a agi bien avant le Knight. Dans ce cadre, Spamton fait référence à Jeville de façon assez directe en disant qu'il va le dépasser juste après. Après avoir parlé de sa transformation grâce à la personne au téléphone. Impressionné par bah une telle transformation <laughs> Vous aussi, vous pouvez. La communion. Avec. <laughs> Y a de vous, je surpasserai même ce maudit en Tout ceci comme si c'était là un point commun et une source de compétition entre eux. Ils ont en tout cas une opposition fondamentale. Jeville a entièrement internalisé son enfermement et ne souhaite rien de plus. Là où Spamton cherche à dominer le monde. Ils suivent deux méthodes contraires de servir la personne qui les a contactés, d'où leur opposition, ce qui ne marche évidemment que si c'est là une seule et même personne. Et peut par extension peut-être expliquer pourquoi ils ont été abandonnés, quel que soit le but de cette personne. Ville n'en fera manifestement rien, et ce qu'a essayé Spamton a clairement échoué. Il est important de noter que Spamton parle directement de deux personnages qui sont certainement des fausses pistes quant à l'identité précise de la personne qui les a contactés. Tout d'abord le Knight lui-même, en effet Spamton semble savoir quelque chose sur lui, mais il est comme empêché de nous le dire par ses glitchs et ses virus qui semblent carrément annihiler une de ses personnalités en direct. En parlant de communion, Chris, tu que le Knight... euh, Non, je suis désolé, désolé, je ne vais pas imposé des putains de vacances en, en enfer Cependant, pour les raisons exposées au-dessus, il est peu probable que le Knight soit le mystérieux personnage, déjà parce que leurs apparitions sont temporellement relativement distinctes, mais ensuite tout simplement parce que si c'était le cas, Spopton appellerait tout simplement la personne de téléphone Knight, comme tout le monde. Ouais, par parfois faut pas hésiter à utiliser des arguments tout cons, hein. Il parle cependant également d'un personnage du nom de Mike, qui peut, à travers ses mentions, sembler révéler ce qui a l'air d'être le réel Spamton, sous toute sa corruption, qui parle en minuscules, comme déprimé, avec du bruit blanc télévisuel et même quelques gouttes de pluie dans les yeux. Chris, toi et moi sommes déjà Demande à Nous n'avons besoin de personne d'autre hein besoin de chevalet ou de télé cathodique Pas besoin d'aucun homme, femme ou enfant À moi, c'est pris Nous n'avons pas besoin de Mike Mike... Ce personnage est avant tout l'élément final de la référence dont provient Spamton. Parce que oui, quand j'ai dit que Toby s'était lâché sur ce perso, je voulais dire que c'est en fait une énorme référence à un mème, à savoir cette publicité datant de 1997, pour le soda Big Shot, dont le logo ressemble d'ailleurs relativement à Spamton, avec l'entraîneur de football américain Mike Ditka. Cette référence ne veut pas pour autant dire qu'il faut ignorer toute référence à Mike, tout comme l'année 1997 et le terme Big Shot, tout ceci doit certainement garder un sens dans l'univers. Et dans ce cadre, on peut noter le fait que Mike soit mentionné aux côtés du terme de TV cathodique, le bruit blanc dans les yeux de Pampton, et le fait de passer à la télé justement à la phrase suivante, associé au fait qu'il soit un criminel malgré les apparences. Chris, crois pas. tout ce que tu peux voir à la télé le petit criminel, Écoute bien hein il y a d'autres exemples de ça, comme le fait que, dans un certain contexte dont on parlera plus loin, où l'on trahit Spamton, il nous traite de présentateur de jeux télé, etc. Ceci ne correspond en tout cas pas à la personne au téléphone que Spamton semble, même s'il a été abandonné, encore tenir en très haute estime, voire sacralisé, puisqu'il parle de communier avec pour rappel, terme religieux qui pourrait même sous-entendre qu'il le voit comme l'ange en personne. On peut éventuellement associer tout ça au fait que Shom semble savoir d'avance qui sera le prochain boss secret, juste après qu'on lui ait parlé de Spamton. Et avec le fait, même même si j'en ai pas encore parlé là, que le chapitre 3 se passera probablement justement dans la télévision du salon de Christ qui prend ensuite un grand sourire. Il est ainsi probable que Mike sera directement le boss secret de ce chapitre, si ce n'est le boss lui-même, et qu'il ait une connaissance de Spamton, tout comme ce dernier connaît Jevil. La question reste donc relativement entière pour ce qui est de l'identité réelle de ce fameux personnage mystérieux qui aurait parlé à Spamton et à Jeville. Il y a pour moi deux façons restantes de prendre les choses et qui amènent toutes deux à deux conclusions différentes. La première, que j'admettrai immédiatement comme ne me semblant pas être la bonne en raison de ce vers qui elle va pointer, mais dont les conclusions restent pour le moins intéressantes parce que malgré tout il se passe définitivement quelque chose avec ce perso, consiste à essayer de suivre les traces du coupable dans le Light World. Puisqu'il agit bien avant que les différents Dark World n'existent, en rassemblant les informations qu'on a sur lui et en voyant si un Lightner répondrait directement à cette description. On cherche donc dans ce cadre un Lightner qui, premièrement, aurait aidé le spam qu'est Spamton à se répandre, soit volontairement en créant un virus dans ce but, pour une raison ou une autre, et en supposant possiblement qu'il ne sache on ne sait trop comment qu'un jour un Dark World existera et que Spamton s'y trouvera, ce qui semble quand même assez peu probable euh, quand on lit comme ça, soit de façon totalement involontaire, comme un peu tout ce qui compose les Dark World après tout, en ayant un ordinateur faisant office d'hôte du virus déjà présent avec le spam par exemple en ayant de nombreux contacts par mail en nettoyant jamais son ordinateur et en s'en occupant mal etc. Si on voulait aller au fond du cliché, et évidemment je dis ça par hasard, hein, s'il avait existé à Hometown une sorte de boomer très populaire, qui n'y connaîtrait pas grand chose en informatique et répondrait juste à de nombreux mails de ses contacts et fans, et dont par le plus grand des hasards, l'ordinateur se trouverait dans la bibliothèque aujourd'hui, eh ben, y a de fortes chances que ce serait lui qu'on cherche, quoi. Voilà, je dis ça comme ça. Ensuite, ce serait quelqu'un qui aurait rendu la carte du Joker folle. Quoi que ça veuille dire, à vrai dire, parce que j'en ai aucune idée, ayant donc été en contact avec cette carte. Le fait que Jevi'd souhaite enfermer à l'écart de tous, représentant probablement le fait que les enfants de la classe où ils se trouvaient jouaient à un jeu sans la carte du Joker. Et pour finir, il aurait connu Shom, qui semble savoir qui est le coupable, et qui, vu son état et même sa personnalité, était probablement la peluche d'enfance d'un lightner plutôt âgé qu'il aurait mise dans la salle d'école de Gerson à un moment ou un autre. Et la réponse, aussi stupide puisse-elle sembler, est assez évidente je trouve. Le Lightner qu'on décrit là, qui pour le moment lit le plus simplement ces trois personnages et tous les Dark Worlds par extension, on va dire, c'est Gerson. C'était la personne la plus connue d'Home puisqu'il était un historien et écrivain de renom. En effet, une personne âgée est typiquement le genre de personnage que j'imaginerais répondre à des tas de mails et se servir de son ordinateur sans trop prendre de précautions. Et en parlant du dit ordinateur, c'est pas pour rien que je mets beaucoup d'emphase sur celui que représente supposément le manoir de Queen. Et dont cette dernière est probablement la carte mère. C'est parce que que cette approche pour trouver le Mystery Leitner soit valide ou pas, je pense vraiment que c'est l'ordinateur de Garçon en vérité. Et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que. Queen Queen est connu de nombreux Darkners du chapitre 1. Ce qui indique qu'ils ont déjà été en contact, même en tant que simple objet dans le Light World. Et qu'elle a, donc, déjà été dans la salle de classe de Gerson. Et deuxièmement, parce que justement, cette salle de classe est la seule à ne plus avoir d'ordinateur. Donc, s'il y en a eu un, il doit bien être quelque part. Donc, conclusion... Ils ont décidé de le réutiliser à la bibliothèque. Et puis ensuite, les cartes, donc Gevil étaient dans la classe de Gerson à nouveau. Et Shom est plus que probablement sa peluche à la base, et a, je trouve, de très gros traits de personnalité en commun avec le Gerson qu'on a connu dans Undertale. Si bien que j'ai aussi une énorme théorie du complot pour faire une parenthèse là-dessus, où en vérité Shom serait directement Gerson dont les cendres n'ont pas été placées sur le marteau qui se trouve dans sa tombe. Scalvin, son fils, sous-entend potentiellement directement dans ce pitre, mais sur son véritable objet favori d'après la coutume des monstres dans Undertale, sa peluche, Chaume lui faisant reprendre vie dans le Dark World, expliquant aussi potentiellement pourquoi Shom dit que c'est lui qui a enfermé Jevil, là où, de toute évidence, c'est probablement Gerson. Mais je vais arrêter de vous parler de ça, sinon Enzoul va traverser les dimensions et venir m'atomiser en personne là maintenant tout de suite. Pour revenir au vrai sujet, l'idée que Gerson est le vrai coupable de tout ça est cependant une réponse très étrange, je serai le premier à l'avouer. Bien sûr, il semble y avoir toute une intrigue en préparation concernant l'écrivain Tortue, et particulièrement autour de la façon dont il est enterré, peut-être autour de ses rêves aussi, voire autour de Gaster. N'oublions pas que, dans le monde d'Undertale au moins, Gerson était l'un des seuls personnages qui a probablement connu Gaster, ayant vécu à son époque, et en tant qu'historien, il aurait été le mieux placé pour se rendre compte de sa disparition totale de l'univers et du fait que quelque chose clochait sur le passé. Mais d'autant plus sachant que les Shadow Crystals ne semblent pas liés au boss secret directement, mais plutôt à des objets liés aux rêves et aux espoirs de Lightners. C'est le robot qui a le cristal en chapitre 2, pas Spamton, par exemple. Un lien direct serait ici très étrange. Je dois avouer que j'ai du mal à me résoudre au fait que la piste de Gerson soit une peut-être fausse ou qui a des arguments involontaires de la part de Toby cependant. Je suis assez persuadé qu'elle veut dire quelque chose, au moins de façon mineure. Mais de là à trancher sur si c'est parce que Gerson est Lightner qui est derrière tout ça, ou si c'est tout simplement parce que pour une raison pas encore exposée, Gerson aura un autre lien avec tout ça, j'avoue que c'est compliqué. La seconde approche, probablement la bonne à mon avis, est de suivre les nombreuses références faites dans le texte sans trop réfléchir à la logique mais plutôt à la symbolique des choses, et au final de conclure que la personne dont on parle ici, c'est Gaster évidemment. L'argument principal est le fait bien connu qu'un des vendeurs dit avoir déjà écouté au téléphone de Spamton et n'avoir entendu que du garbage noise, pour le citer directement. Ce qui est aussi précisément la façon dont est décrit ce qu'on entend dans le téléphone lorsqu'on l'utilise n'importe où dans le Dark World. Et qui, au-delà de pouvoir signifier que peut-être Spamton appelait quelqu'un qui se trouve dans le Light World, ce qui était l'interprétation simple du pourquoi on entendait cela jusque-là, correspond donc au bruit de fond de l'entrée 17 de Gaster dans Undertale. Reste des références plus mineures, une fois transformé, Spamton Neo dit que les choses sont encore... Dingue, Dark, so dark, probablement une référence au darker, yet darker de Gaster, que Shom utilise d'ailleurs aussi pour décrire ce que le mystérieux personnage a dit à Jevil en chapitre 1. Il y a aussi le fait que Spamton puisse transformer ses mains en téléphone, avec lesquels Gaster lui parlait supposément, faisant de lui de façon littérale l'homme qui parlait avec les mains, ou encore le fait que le lien entre Gaster et les appels était établi dès Undertale avec le Can I speak to G, un élément de fun qui aurait pu être un appel de Gaster à Spamton, pour rappel Spamton G Spamton de son nom complet, ou l'inverse si G désigne Gaster. Évidemment. Le tout dans un contexte où, comme dans le chapitre 1, 1 les références à Gaster sont partout, dans la musique, dans l'intro où il apparaît de façon directe, etc. Il doit bien avoir un rôle quelque part, et ses chances d'être le Knight étant de plus en plus réduites, on va y revenir, associé à sa propension à faire les choses indirectement, colle bien avec ce personnage inconnu. Reste une ligne de questionnement qui me semble particulièrement intéressante au sujet de Spamton et des boss secrets cependant. Que sommes-nous dans tout ça Parce qu'un thème semble déjà ressortir de ces deux boss là si on y réfléchit un peu. Un thème qui parle de liberté et de libre arbitre. Chris et Suzy, bien que ça importe bien moins concernant cette dernière, semblent ressortir choqués du combat contre Spamton. Pas forcément parce qu'ils ont pu voir, mais peut-être d'après le fait que Ralsei tente de les rassurer en disant qu'il ne pensent pas que tout ceci ait un quelconque sens. Fois suspecte parce que personne n'a parlé de ça. Ça sonne comme s'il si y avait justement un sens, parce que ce qu'ils ont vu représentait. Ce dont a toujours rêvé Spamton, il le dit à nombreuses reprises, est la liberté. Pour ça, il a accepté d'être manipulé, et même dans sa forme finale, il n'est qu'une marionnette maintenue par des fils, dirigée par on ne sait qui ou quoi. Et lorsque ces liens sont enfin brisés, que comme son thème l'indique, il est enfin un vrai petit garçon, bien évidemment référence à Pinocchio dans le fait qu'il n'est plus une marionnette, qu'il est enfin libre donc, comme lorsque la personne au téléphone l'a abandonné, il s'effondre. Il était toujours une marionnette. Et même si on peut essayer d'ignorer ce qu'il dit comme de la projection de sa propre condition sur Chris, lorsqu'il lui demande s'il veut vraiment être un cœur au bout d'une chaîne toute sa vie, ce que Spamton est littéralement et doublement qui plaisait, son cœur est au bout d'un câble dans ses attaques et son corps tout entier est maintenu par des fils, ses propos ne sont pas forcément faux pour autant. Ne sommes-nous pas que l'âme dans ce corps? une âme dirigée par des forces plus grandes, une chaîne métaphorique. Et notre corps, Chris, n'agit-il pas le plus souvent que comme une marionnette dont nous tirons les ficelles, ou du moins c'est ce que nous croyons en l'état c'est quelque chose qu'on va beaucoup explorer dans la suite de cette vidéo aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose qui valait pour Jeville par exemple, dont la connaissance supposée du fait que le monde n'était pas réel l'amenait à l'enfermement, perdant littéralement par cette connaissance son libre arbitre, sa liberté de faire ce qu'il veut. Ce qu'il accepte en redéfinissant la liberté figurativement comme étant ce savoir en premier lieu, le monde extérieur, l'ignorance, étant la réelle cage. La liberté, c'est la connaissance de la réalité de ce monde et de ses forces supérieures, mais pas forcément le fait de ne pas être manipulé par elle. Là aussi, c'est quelque chose qui aurait certainement un sens pour nous, selon ce qu'est réellement le monde des Deltarunes, ce qu'est Gaster par rapport à lui, etc. Les questions qui se posent ici sont probablement les suivantes. Qu'est-ce qui se passera quand à notre tour, la vérité nous frappera Quand nous sera-t-elle donnée Quand ceux qui tirent réellement nos ficelles, le Knight qui met ses mondes en place, la personne qui met ses boss secrets sur notre chemin, le personnage qui semblait être Gaster qui nous a envoyé vers ce monde en premier lieu et toute autre personne qui pourrait nous manipuler montreront leur vrai visage. Nous cacherons-nous comme Jeville Nous effondrerons-nous comme Spampton Ou bien y a-t-il une autre voie Bonjour. Si vous me voyez maintenant, c'est que vous avez atteint l'interlude. Je suis Spamton, c'est H Spamton, et je serai votre guide dans cette exploration des Spamton Sweepstakes. Bravo. Ouais, bien joué. Bravo. C'est les gens qui n'ont pas la ref qui vont rien comprendre du tout. Bon, alors, en gros, pour vous faire le topo, bossant sur cette vidéo depuis plus d'un an, l'ayant écrite, réécrite, ré réécrite, ré -ré et ayant fait des ajouts petit à petit, devait bien arriver à un moment où les ajouts allaient être faits non pas par moi, mais par Toby, qui allait faire quelques précisions à un moment ou à un autre, et évidemment, il a attendu le moment où j'avais déjà tout enregistré. Donc voilà, du coup, cette section de la vidéo servira à parler de ces précisions le plus succinctement possible. Donc, le 15 septembre 2022, s'est déroulé l'anniversaire d'Undertale et de la sortie du second chapitre de Deltarune. Ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, si, attendez, ça, comme tous les 15 septembre, ça arrive tous les ans. Bravo quand même. Et donc, à cette occasion, Toby a fait deux choses. La première, évidemment, c'est qu'il a fait un post pour remercier tout le monde de leur attente, de leur soutien, etc., et un petit peu nous mettre à jour sur le développement des chapitres 3, 4 et 5. Ça avance bien au passage. Et évidemment, nous faire un petit peu de teasing. La plupart des images qu'il a mis dans ce poste viennent, semble-t-il, du chapitre 4, étant donné le nom des fichiers. Sauf la dernière image, la Green Room, qui est un Dark World d'un chapitre inconnu, mais qui, d'après les indices de contexte, vient probablement du chapitre 3. Et la deuxième chose, celle qui va vraiment nous intéresser, l'annonce des Spamton Sweepstakes. Merci, merci, arrêtez d'applaudir, ça ira. Les Spamton Sweepstakes sont un événement caritatif qui a eu lieu entre le 17 et le 18 septembre et qui a récolté plus de 322 000 dollars au profit de Child's Play. Il était possible de donner sur la page de l'événement, sur le site de Deltarune, et chaque donation permettait d'entrer dans un tirage au sort qui permettait de gagner différents prix. Ces prix étant débloqués par paliers, petit à petit, que les donations arrivaient, le dernier palier se trouvant à 225 000 dollars. En bas de page se trouvaient aussi deux ventes aux enchères, pour une Mona Lisa Spamton et une pour une statue en or de Birdly, les profits de cette vente aux enchères allant aussi dans la cagnotte. Pour finir, le dernier palier atteint, une bidding war fut lancée entre deux choix, le premier, celui qui a gagné, à savoir libérer. Spamton, ou le second, Fair terre Spamton, qui a eu un petit effet sur le stream final, à la fin de l'événement. Un stream que euh, je me refuse de vous présenter. Ouais. Le <laughs> banger. Banger. Mais là où les sweepstakes deviennent vraiment intéressantes dans le cadre de cette vidéo, c'est quand on commence à se pencher sur leurs aspects plus cachés. À savoir, pour commencer, les liens qui se trouvent dans les pubs, en particulier celle qui est en bas de page, qui mène à un extrait de blog d'une personne passionnée par les jeux vidéo, euh, les mystères dans les jeux vidéo et les théories. Littéralement moi. Et dont le pseudo est Holiday1225. Littéralement moi. Attends, attendons. Le 1225 étant donc en notation américaine, Noël et Holiday étant le nom de famille de Noël le personnage, c'est donc son blog, c'est le blog de Noël Holiday. Elle y dit que le site d'un jeu qu'elle suit, Dragon Blazers 2, a été mis à jour pour inclure tout un tas de pages secrètes et cachées au nombre qui va se mettre à jour au fur et à mesure que les sweepstakes vont avancer. C'est en vérité une métaphore, puisque ce nombre va évoluer jusqu'à atteindre 26 à la fin, et désigne en vérité le nombre de pages cachées sur le site des sweepstakes également. Et donc, cette page comptant, il y en a 25 autres à trouver. Alors, je vous rassure, on ne va pas toutes les traiter. Hein, pas une heure devant moi pour ça, on a dit qu'on allait être succinct. Et donc, je vais en venir au plus important petit à petit. Mais du coup, comme je peux pas entièrement vous parler de ça ici, dans cette vidéo, je vais organiser probablement un stream là-dessus également. Mais donc, pour pouvoir traiter un petit peu tout ce que j'ai sur ces pages, parce que j'ai quand même des choses à dire, même si de moindre importance, mais qui permettent un petit peu plus de construire l'univers et son background. Du coup, je vais commencer par y aller de façon très générale. Il faut savoir du coup que sur ces pages secrètes, la quasi-totalité sont atteintes par trois méthodes différentes. Soit à travers, comme ici avec le blog de Noël, des pubs dans la page principale, donc celle qui se trouve en bas de page, ou dans celle qui se trouve en haut de page, il y en a trois possibles en haut de page qui sont définies au hasard au chargement de la page, soit à partir d'autres pages, tout simplement, euh, certaines pages mènent à d'autres, etc., qui comptent également. Soit pour finir, à travers les textes de description des prix plus bas dans la page. Donc à peu près une fois sur deux, dans le texte de description des prix, on a un hyperlien cliquable. Il y a plus ou moins trois pages qui font exception à ça. Alors, une où le lien est assez évident, c'est-à-dire que littéralement il y a l'URL d'un site qui est noté sur le PQ qui est gagnable. Oui, il y avait du PQ de gagnable. Il y en a un autre qui est plus ou moins atteignable de façon legit, à savoir que l'une des pages secrètes mène à une fausse erreur 404 qui dit que peut-être que le lien de la page a été mal tapé, et il y a une autre manière de taper euh, le truc auquel le lien fait référence. Et donc ça mène à cette autre page secrète. Et pour finir, la dernière, pour le coup, n'a aucun lien avec aucune page, pour l'atteindre du moins. Mais pour le coup, c'est assez compréhensible parce que c'est la page du man, <laughs> donc avec l'arbre, etc. Et, euh, et donc voilà, bah, comme le man, il euh, faut savoir qu'elle est là. <laughs> et voilà, en fait, tout simplement, ça couvre les 26 pages comme ça. Alors maintenant, pour ce qui est du lore qu'on peut tirer de ces pages, ça va être un peu plus compliqué parce que euh... <rire> voilà. <rire> En fait, ce qui complexifie toute la chose, c'est surtout qu'on peut faire pas mal de liens thématiques entre les choses, comme on avait pu le faire à l'époque euh, pour la trilogie Gaster. Donc, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de sujets différents qui sont traités. Hein. C'est pas c'est pas centré juste sur une chose. Il y a évidemment un petit peu de teasing sur le chapitre 3, des, des choses qu'on peut lier à Gaster un petit peu, euh, des choses sur la sœur de Noël, dont je parlerai un petit peu plus loin, et même quelques trucs sur Chris qui font, en particulier, penser que Chris était déjà chelou avant les événements du jeu, et donc avant notre arrivée. Je vous le fais noter juste là parce que je vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Mais les deux vrais grands sujets, en vérité, et ça étonnera pas qui que ce soit qui a fait le chapitre 2, c'est Spamton et Noël, évidemment. Et là où les choses se complexifient un petit peu, c'est que j'ai vraiment l'impression, en regardant les sweepstakes, et vous allez voir ça, je vais vous le préciser juste après, parce que c'est de ça qu'on va parler, Toby essaie ici de faire un vrai parallèle entre l'enfer qu'a vécu et que vit encore en partie, Spamton, et beaucoup de la situation que vit Noël euh, actuellement, sa situation familiale, etc., à laquelle on reviendra dans la partie suivante. Et à première vue, on ne voit pas le lien immédiat, mais il essaie vraiment de le faire, il appuie sur les différentes interactions que Noël et Spamton ont pu avoir, même avant le jeu, et euh, bah, c'est assez intéressant, voilà. Individuellement, je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur Spamton et Noël. Euh, de façon globale, Spamton, on nous réaffirme que c'est un virus de façon assez inhérente, qu'il y peut pas grand-chose, même s'il voulait autre chose, c'est fait partie de lui et vit un véritable enfer mental à cause de ça, ça se sent pas mal dans le jeu. Et Noël de son côté, on nous précise pas mal le fait qu'elle a développé une véritable curiosité morbide et un amour pour euh, l'horreur, euh, les choses mystérieuses et les anciennes passions de sa sœur, en raison des événements évidemment qui sont passés autour d'elle et auxquels on va revenir. Événements euh, qu'on réaffirme ici, hein, puisque sa sœur est liée à la page qui retourne une erreur 4 en 4 et donc euh, la page est introuvable. <laughs> Et également, elle est liée au thème Lost Girl, euh, qui revient également dans le jeu. Mais ce qui va m'intéresser est à la croisée de ces deux thématiques donc. Et dans ce cadre j'aimerais vous parler de deux pages précisément. Premièrement sur la page Blue Circle qui semblait être un message supprimé du blog de Noël, celle-ci nous parle d'une fois où elle a reçu un mail étrange composé d'une suite de caractères et de chiffres aléatoires. Et qu'elle pense assez clairement avoir été une tentative de lui envoyer un virus. Cependant suite à ce mail elle ne décide pas de l'ignorer ou de le supprimer, elle décide de le rentrer dans l'un de ses jeux, Cat Peters 2. Noël nous avait déjà décrit Cat Peters 2 sur une autre page. Cat Peters justement. C'est un jeu où on doit s'occuper d'animaux virtuels, normalement des chats, mais le style graphique et les mécaniques simplistes permettent l'ajout d'autres animaux via ce qu'elle appelle des modes, mais qui sont en vérité provenant plutôt des exploits qu'autre chose. En effet, chaque animal est simplement représenté par des cercles, euh, l'un pour le corps et dedans un pour les yeux, euh, deux pour les yeux, c'est mieux, un pour la bouche, etc. <laughs> Et donc ceci permet de représenter d'autres animaux que des chats simplement. Ainsi, l'ajout de ces modes consiste simplement en le fait de copier-coller une suite de caractères qui sert un petit peu d'ADN pour l'animal ainsi créé. Et donc Noël décida ici de tenter de créer un animal à partir de la chaîne de caractères qui se trouvait dans le mail. Et le plus étonnant c'est que ça a marché, créant un animal formé d'un simple cercle bleu qui ne bougeait pas, qui ne faisait rien, mais qui était capable de façon assez étonnante de se reproduire tout seul. Sachant que normalement dans le jeu il faut deux animaux pour se reproduire, les enfants ainsi créés sont une fusion de leurs traits très, très simples, de leur cercle, et de leurs animations spécifiques. Réalisant que le cercle bleu était en train de se reproduire à l'infini sans pouvoir être arrêté et ses enfants étaient en train de se reproduire à leur tour etc, Noël commença à paniquer et à essayer de les supprimer un par un, mais il était des Déjà trop tard. Et au final, le jeu se mit à surcharger et cracha, corrompant toutes ses données, comme un virus ou un spam en quelque sorte. Tout ceci est bien évidemment une référence à Spamton et à ses pipis, des cercles bleus eux aussi, qui sont capables de se reproduire à l'infini de cette façon. Et donc, l'idée est ici que l'ordinateur de Noël a ici été en partie du moins infecté par le virus de Spamton. Une idée qui est intéressante à garder en tête quand à quelques autres endroits dans les Spamton Sweepstakes, il est fait référence au fait que l'ordinateur de Noël encore aujourd'hui glitch, alors que ces événements ont eu lieu quelques mois voire quelques années avant Delta Rune. Cette idée que Spamton à travers son virus et Noël sont déjà entrés en contact par le passé est une idée qui est réaffirmée dans la FAQ des Sweepstakes. Elle aussi débloquée via un palier où il ajoute que Noël a aussi répondu à d'autres de ses mails, mais qu'en effet, il lui a offert ce qu'il appelle un petit cadeau bleu un pipise, donc. Il est précis cependant que Noël n'est pas sa mère, un sujet qui semble en vérité faire référence à la théorie qui s'est très rapidement développée juste après la publication de cette page sur ces événements et qui postule donc que l'ordinateur de Noël serait l'hôte originel du virus de Spamton. Et donc ici, il semble assez clairement dire que non, ce n'est pas le cas, bien qu'évidemment, son ordinateur ait été manifestement infecté. Et probablement même avant ces événements, vu à quel point Spamton pouvait faire des messages dirigés vers elle. Parce que bon, euh, lui envoyer un mode pour euh, le jeu précis auquel elle joue. Il faut déjà en savoir pas mal sur elle. Mais voilà, tout ceci vous donne en tout cas déjà une idée du rapprochement qui est fait entre ces deux personnages ici. L'autre page qui va ici m'intéresser et toutes celles qui en découlent par extension est la page du nom de Dame New Tena. Elle va me permettre de revenir sur ce que j'ai pu dire dans la partie précédente, faire quelques addendums et quelques précisions, parce que certaines choses sont invalidées parce ce qu'elle apporte. Sur cette page, on peut voir la télé de la maison de Toriel barrée. Télé qui est donc liée au chapitre 3, je vous en ai déjà parlé, puisque le Dark World de celui-ci se passera probablement dedans. En dessous se trouve un texte, assez clairement écrit par Spamton, où celui-ci semble maudire une personne en particulier et dire que tout le monde devra payer pour ce que cette personne a fait. Il serait facile de supposer qu'il parle ici de mal. Mike, si juste en dessous, caché et donc demandant d'être surligné, ne se trouvait pas le texte ⁇ Tous sauf Mike ⁇ impliquant donc qu'il en veut ici à une autre personne et je vais revenir à ça ensuite. Cliquer sur la télé nous fait comme entrer dedans, transformant la page en un énorme bruit blanc où le texte "Qu'est-ce que vous faites là Vous ne devriez pas être là." apparaît et où le nom de la page change en "Vous êtes en avance". Impliquant donc que la raison pour laquelle nous sommes dans du bruit blanc dans cette télé, c'est que le chapitre 3 n'est pas encore sorti. En descendant tout en bas de la page, deux liens cliquables sont cachés. Le deuxième, celui qui nous intéresse le moins, mène à nouveau à la page Rambe et au teasing du chapitre 3 et de la Green Room. Teasing cependant qui peut mener à une image de la télétorielle à nouveau. Celui du haut cependant transforme à nouveau la page en ce qui se révèle en inspectant la page et en regardant le nom des événements être un énorme océan avec tout en haut des icebergs et au milieu d'entre eux une porte. Et cliquer sur cette porte mène à la dernière page des sweepstakes Ice Palace Glacier. Dans ce nouveau post supprimé de son blog, Noël décrit une expérience qu'elle a eue jeune en jouant à Dragon Blazers. Cette page est, de mon point de vue, l'une des plus importantes des sweepstakes, bien que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle veut dire, honnêtement. Elle semble métaphoriquement avoir beaucoup de sens, comme ce que je considère être l'autre page très importante des sweepstakes, à savoir la page chair, la page de la chaise, dont je ne vous ai même pas parlé tant je n'ai rien de concret à vous dire dessus. Mais qui, elle aussi, est très très mystérieuse. Donc je vais avoir du mal à lui rendre justice, mais malgré tout, je pense. Quand même vous décrire ce qu'elle dit. À un moment dans le jeu, dans ce que Noël appelle la zone de glace, se trouve un espèce de grand labyrinthe formé de salles en forme de croix, au sein desquelles prendre la mauvaise direction ramène à l'entrée du labyrinthe et où il faut normalement suivre un personnage qui nous guide et qui connaît le chemin. Ceci peut vous faire penser par exemple au bois perdu dans Ocarina of Time, mais c'est en vérité probablement une référence assez précise au Forest Maze de Super Mario RPG dans lequel il faut suivre le personnage de Gino qui connaît le chemin à travers les bois à travers ce que noël considère être une erreur des développeurs, il est possible cependant d'aller dans le labyrinthe sans le guide et donc d'y rester bloqué, virtuellement, pour toujours, étant forcé d'aller dans n'importe quelle direction jusqu'à peut-être finir par trouver la sortie. c'est ainsi ce que noël dit avoir vécu étant plus jeune. et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que malgré ça, elle dit avoir fini par trouver une sortie, mais pas la sortie normalement prévue, une autre sortie, allant dans toutes les directions au hasard pour au final aller vers le haut. elle dit, de façon très dramatique, Trop dramatique, probablement. <laughs> elle, elle parle quand même du fait d'avoir peur d'une prise électrique. <rire> Bref, <rire> elle dit avoir fini par trouver une porte trouvable nulle part d'autre dans le jeu. Le problème étant que cette porte était fermée à clé. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais trouvé la clé. Aucune clé ne semble pouvoir ouvrir cette porte dans le reste du jeu. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que Noël dit être capable de retrouver cette porte quand elle le veut. Le chemin semble changer à chaque fois, elle est incapable d'ouvrir la porte, mais si elle le souhaite, une fois qu'elle l'a atteint une première fois, elle finit par atteindre la porte quand même. Et voilà! J'arrive à faire quelques liens logiques quand même, hein, mais c'est assez compliqué. Par exemple, je suis assez certain que la dernière forme que prend la page des newtina représente la fin du labyrinthe. Puisqu'on remonte vers le haut, on est dans ce qui semble être une salle de glace et il y a une porte sur laquelle on peut cliquer pour accéder au bloc de Noël. Normalement, dans le jeu, on ne peut pas l'ouvrir, mais ici, c'est ça qui est représenté. Maintenant, métaphoriquement, j'arrive aussi à déceler le fait qu'on essaie ici de nous faire un parallèle entre Spamton et Noël. En effet, on part d'une page qui est clairement à propos de Spamton, on rentre dans la télé, on a là de la neige télévisuelle, puis en rechangeant la page, on passe de cette neige télévisuelle à de la vraie neige, de la glace, des icebergs, et on arrive sur le sujet de Noël et de sa zone de glace dans laquelle elle est bloquée. Quoi que ça veuille dire. <laughs> Je salue ici aussi le fait qu'on nous fasse le parallèle entre le fait que Noël soit comme bloqué dans un labyrinthe pour toujours depuis ce moment-là, sans pouvoir trouver la sortie, et le fait que le vieux The Spamton, et de toute façon on l'a pas mal vu, son état mental, est comme un labyrinthe, une prison dont il ne peut pas s'échapper. Chose qui est décrite de cette façon-là, euh, sans rentrer dans les détails mais c'est le cas, dans la page Secrète. Un labyrinthe sans fin et sans fond. Et de façon générale également, cette page secrète fait aussi le lien avec les sweepstakes elles-mêmes, qui à travers leur page secrète sont aussi un énorme labyrinthe en quelque sorte. Il y, y, y a tout un lien thématique qu'on peut faire là, mais à nouveau je sais pas si ça veut dire quelque chose au-delà de l'état mental de Noël, dont on va reparler juste après. Cependant, pour revenir au texte initial de Spamton sur cette page, on peut voir en association avec cette réponse dans la FAQ qu'on a potentiellement mal jugé la relation entre Mike et Spamton et ce que Spamton pense de Mike. À vrai dire, Ici, il semble très largement prendre la défense de Mike contre une autre personne manifestement. Cette personne aurait, semble-t-il, d'une manière ou d'une autre, pris Mike en quelque sorte à Spamton. Et elle semble, d'après le nom de la page, justement, se nommer Tena. Un potentiel diminutif d'Antena, vu qu'on est dans le champ lexical de la télévision. Et donc, le personnage dont on devrait se méfier dans ce chapitre 3 est peut-être là plutôt, dans ce personnage de Téna, qui est potentiellement même directement la télé. Ici, sur cette page, c'est la télé qui est barrée. En fin de chapitre, elle sourit carrément. Et Spamton nous fait aussi ici référence à la bande de la cathode, sachant aussi qu'il faisait pas mal de fois dans le chapitre 2 des références aux écrans cathodiques. De là à savoir qui sera le boss final, qui sera le boss secret, c'est pas clair. Mais voilà, Téna est un personnage qui semble exister. <laughs> Ceci étant dit, ça ne veut pas dire non plus que tout est tout sauvé entre. Mike et Spamton. On ne peut pas ignorer le fait que, même si on les a potentiellement mal interprétés, beaucoup de dialogues ne peuvent pas être interprétés autrement comme tels. Peut-être que Spamton en veut à Mike, malgré tout, en bonne partie. Mais peut-être aussi que l'idée va être de la réconcilier plus ou moins et que les actions de Mike sont teintées par celles de Tena. L'existence de ce personnage vient en tout cas modifier et améliorer notre compréhension de l'histoire telle qu'elle devrait se dérouler par la suite. Bien, voilà qui clôt cette interlude sur les Spamton Sweepstakes. Allez, je vous donne le droit de m'applaudir. Bravo, bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. <laughs> je vous rends un saturluberlude, de Captain Hype, bien que, évidemment, il ne m'arrive pas à la cheville, à moi, Spamton, CH Spamton. Allez, bisous. Qu'est-ce que vous faites là Ceci nous amène sur le deuxième grand sujet de cette vidéo, le second contenu optionnel majeur de ce chapitre, à savoir, aussi étrange que cela puisse paraître, sa fin alternative. La Snowgrave Route, aussi connue sous le nom de Genocide Route, aussi connue sous le nom de Weird Route, aussi connue sous le nom de Common Route, aussi connue sous le nom de Pipis Route. Mais je vais utiliser Snowgrave personnellement parce que, suite à un vote, c'est le nom qui a été retenu par le Wiki dans la communauté, mais utilisez ce que vous voulez. En particulier Weird, étant donné que ça semble être son nom dans les fichiers. Et quand je dis tout ça, je ne parle pas d'une fin alternative genre en fin de chapitre chapitre 1 entre si vous avez au moins combattu un ennemi ou si vous avez joué entièrement pacifiquement. Je vous parle d'une vraie route parallèle. Menant également à ce que la fontaine du Cyberworld soit scellée, oui, mais en empruntant un chemin radicalement différent. Et pour commencer à l'introduire, il vaut mieux que je commence par appuyer sur une chose que je n'ai pas forcément autant mise en avant que le fait le jeu en résumant ce chapitre, à savoir les évolutions qui visent ce qui est clairement son personnage principal, Noël. Parce que si le chapitre 1 tourne majoritairement autour de l'arc narratif de Suzy, son évolution d'une bully jouant les durs pour repousser les autres et cacher ses faiblesses à une amie qui s'ouvre à nous, surtout via sa relation avec Lancer, mais aussi via la gentillesse qu'on lui montre avec Ralsei et l'aventure qu'on vit tous ensemble, eh bien, le chapitre 2 repose lui aussi, en grande majorité, sur l'évolution narrative d'un personnage. À savoir donc Noël. Alors, oui, certains autres personnages évoluent un peu au fil du chapitre. En particulier les Birdly, qui a son propre mini arc, qui le fait passer d'un connard manipulateur qui pense qu'il est supérieur aux autres alors qu'il est ridicule, à un connard manipulateur qui pense qu'il est inférieur aux autres mais réalise pas ce que ça veut vraiment dire et donc est ridicule. Mais bon, du coup, comme la description que je viens d'en faire l'indique, c'est surtout là pour l'humour et je suis pas drôle parce que je viens d'expliquer la blague. Non seulement j'argumenterais que l'histoire aurait strictement été identique si Birdly était resté le même pendant tout le chapitre, mais en plus, au seul moment où son évolution a une quelconque importance, à savoir quand il décide de nous aider à sauver Noël, c'est un changement qui repose surtout sur les circonstances, le fait que Quinn les trahit en disant qu'elle jouait à des jeux mobiles, un véritable drame au passage, et surtout sur l'évolution de Noël en elle-même en premier lieu, du fait qu'elle glisse progressivement de son influence à lui parce que Queen à nouveau essaie de la récupérer, mais aussi parce qu'elle est en train d'apprendre à se débrouiller d'elle-même, propulsée par ses sentiments pour Suzy. Bref, retenez que le personnage qui importe en chapitre 2, c'est Noël. Tout repose sur elle. Et donc, en début de chapitre, et avant ça, quand on la voit brièvement en chapitre 1, Noël est un personnage qui est caractérisé par le fait qu'elle se laisse utiliser par d'autres personnages. Elle semble avoir de très grandes capacités, être très intelligente, elle est la réelle responsable de la réussite scolaire de Birdly en l'aidant après les cours, par exemple, et être très puissante d'après Queen, qui veut faire d'elle le nouveau knight. Mais dans le même temps, elle semble n'avoir aucune confiance en elle, ne pas avoir le sentiment qu'elle peut y arriver, que l'obstacle face à elle n'est jamais qu'une trivialité, alors que c'est souvent le cas. Bref, elle peut le faire mais elle ne pense pas qu'elle peut le faire donc elle le fait pas mood. A la place, elle est utilisée par d'autres qui la voient à sa juste valeur, mais sans forcément lui vouloir du mal, et pensant souvent être face à une personne qui est aussi capable de voir en elle ce qu'ils voient eux, et profite donc d'elle et de sa gentillesse entre guillemets. Et au fil du chapitre, majoritairement par sa relation avec Susie, en s'inspirant d'elle et tentant d'être à sa hauteur, disons, mais aussi au fur et à mesure de l'affection que les autres personnages, nous y compris, lui montreront en parlant de sa force, en tentant de la sauver de notre côté ou de se l'accaparer du côté de Queen et Birdly, la validant enfin, au fond, on parvient à lui montrer ce qu'elle vaut vraiment et qu'elle ne doit pas autant se sous-estimer. Et ainsi, arrivée en fin de chapitre, elle se révolte enfin contre Queen et la remet à sa place. Parce que ça y est, elle a compris, elle peut le faire, elle peut s'en sortir seule. Et de retour dans Hometown, en m'avançant un peu sur ce sujet-là, bien que pensant que toute cette aventure n'était qu'un rêve, elle a changé, ce qui est présenté par le fait qu'elle décide d'affronter elle-même le boss dans le jeu auquel elle joue aux côtés de son père Rudy à l'hôpital, plutôt que de lui laisser les rênes. Les reines, vous avez compris <laughs> Voilà globalement ce à quoi sert le chapitre 2 d'un point de vue des personnages. C'est très simple, mais c'est super efficace comme arc, je trouve. Bien ceux d'entre vous qui connaissent un minimum le sujet devraient voir où je vais en venir maintenant. Mais sinon, vous devriez remarquer un parallèle avec ce dont on parlait juste avant le contrôle, comme si c'était un sujet central au jeu. <laughs> Noël est un personnage qui est contrôlé par les autres. Évidemment, jusqu'à présent, ces derniers n'avaient pas forcément de mauvaises intentions en soi. Ils étaient relativement égoïstes ou inconscients de son ressenti, comme je le disais, mais pas méchants. Mais maintenant, imaginons un autre monde, si vous le voulez bien, un monde où elle aurait rencontré, au fil de cette aventure, un être véritablement mauvais et manipulateur. La comprenant parfait et étant totalement capable d'exploiter ses faiblesses pour pleinement profiter de sa force. Et pour ce faire, revenons au moment où l'arc de Noël s'enclenche vraiment, le moment où elle est acceptée dans l'équipe et rejoint l'aventure, prête à vivre tout ce qui la transformera ensuite. Aux côtés justement du seul personnage qui puisse avoir une vision assez complète de ce monde pour la comprendre, et qui est le seul supposément doté d'un véritable libre arbitre, le joueur. Nous. Et là, accrochez-vous bien si, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas familier avec la snow route, parce que vous allez avoir l'impression que je vous décris la façon dont on obtient Mew sous un camion. Mais vous comprendrez bien assez vite la logique de tout cela. Une fois Noël à nos côtés, et après un chapitre se passant jusque là parfaitement normalement, nous devons revenir en arrière avec elle jusqu'au magasin de Spamton dans la décharge, malgré le fait qu'elle nous dise que ce n'est pas le bon chemin, en lui ordonnant de geler tous les ennemis sur notre passage avec sa magie. Ceci rend progressivement Noël plus puissante, mais la terrifie relativement en même temps, puisqu'arrivée à la décharge, il n'y a rien à faire. Et on fait simplement demi-tour pour continuer l'histoire. Nous ne sommes revenus jusque-là que pour l'entraîner et la perturber. Arrivé au vendeur qui nous propose habituellement des chaussures de couple, pensant que l'on est en couple avec Noël, celui-ci nous propose plutôt un anneau de glace très puissant et aussi très cher. Et ce, si on décide de lui sous-entendre que nous sommes plus qu'amis. L'anneau coûte cependant justement trop cher pour nous, mais en insistant assez, il y a toujours d'autres moyens de l'obtenir. Il y a toujours d'autres moyens que Noël l'obtienne, que Noël le récupère, que Noël le prenne. Et après un fondu au noir sur un son de magie de glace, le voici en notre possession. Noël doute immédiatement de ce qui vient de se passer, de si elle vient bel et bien de tuer ce vendeur ou non, et commence à être vraiment affectée mentalement par la pression qu'on lui fait subir. Mais les choses ne s'arrêtent malheureusement pas là. En continuant notre chemin, on finit par arriver à la salle liée à l'anneau Dog et à l'œuf, qui ne peuvent pas apparaître dans ces conditions. Dans la benne à ordure se trouve Spamton cependant. Il nous demande de devenir encore plus fort en gelant tous les ennemis de la zone. Il nous vend alors l'anneau d'épine, un anneau encore plus puissant qui sera nécessaire bien assez vite. Pendant tout ce temps, on continue d'avancer dans la zone à travers différentes énigmes, forçant Noël à les désactiver pour nous en les gelant et se servant d'elle encore et encore de façon extrêmement menaçante au prix de sa santé mentale. Et arrivé à la salle où l'on combat Birdly, les Darkners de Cyber City et de tout le Dark World ont commencé à se cacher et à fuir, alors que de son côté, Noël a été comme reprogrammé en autre arme. Face à son camarade de classe, elle n'y voit en premier lieu qu'un nouvel ennemi à geler, avant de réaliser qui il est et de le supplier de fuir. Mais préoccupé par la situation, Birdly fait le seul acte courageux et alterne. De sa vie et se met en travers de notre route pour tenter cette fois-ci de sauver Noël. Il n'a pas idée de ce qu'il attend cependant. Équipé de son nouvel anneau, Noël est en capacité, sans trop le savoir, de lancer un nouveau sort, Snowgrave, à la puissance dévastatrice et au prix de la quantité maximale de TP. Et, cédant finalement à nos ordres, Noël inflige une attaque fatale à Birdly, le piégeant définitivement sous une épaisse couche de glace. Qu'est-ce qu qu'il s'est passé Il y avait tellement de neige, je ne pouvais plus rien voir. Je. Je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais rentrer à la maison. complètement détruite mentalement, Noël s'en va, se rendant supposément à Queen. La run est à partir de là bloquée. C'était le point de non-retour. Même lorsque la fontaine sera scellée en fin de chapitre et le Dark World dissipé, Birdly ne se réveillera jamais. Soit mort, soit plongé dans un profond coma. On peut alors aller retrouver Suzy et Ralsei devant le manoir de Queen, sans cette dernière pour nous accueillir cette fois-ci. Après une traversée assez rapide du manoir, qui semble avoir été envahie par Spamton, Suzy passe brièvement voir Noël au dernier étage, dans ce qui semble être une interaction très courte entre elles, laissant supposer que Noël est dans un trop mauvais état pour même se préoccuper de Suzy, ou même agir comme elle le fait en run normal dans cette même situation. On continue alors notre route jusqu'à Queen, que l'on ne combat pas dans cette version des événements, où Noël n'est pas présente, Ralsei lui expliquant immédiatement la situation concernant le Suite à cela, Suzy décide de retourner voir Noël de façon relativement inquiète et Ralsei reste avec Queen, nous laissant le soin de nous rendre à la fontaine et d'affronter le vrai boss final de cette run, Spamton Neo à nouveau. Parce qu'en obtenant autant de puissance via Noël, on l'a au passage aidé à réaliser ses plans. On lui a libéré le chemin pour qu'il puisse se rendre de lui-même jusqu'au sous-sol du manoir et transformer, qu'il puisse à nouveau être un grand de ce monde. Un grand qui ne veut pas que ce monde disparaisse et qui pourrait l'être encore plus avec une âme, justement. Et c'est là qu'on teste tous vos vrais skills au jeu, parce que battre un boss secret avec trois personnages, pourquoi pas, mais avec un seul ça devient tout de suite un bien plus gros challenge. Mais lorsqu'on y parvient enfin, Spamton décide d'user de sa dernière capacité, sacrifiant toute son attaque pour obtenir une défense impersable. Appelant désespérément tous nos amis, aucun ne vient jusqu'à ce qu'on appelle Noël. Et dans un dernier souffle glacial causé par notre marionnette, Spamton est vaincu et notre âme rejoint la fontaine, dispersant ce Dark World. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qui vient de se passer exactement Parce que c'est bien joli de dire que Noël se laisse manipuler par tout le monde et que dans ce cadre on pourrait totalement le faire, mais est-ce que qui que ce soit se serait vraiment attendu à ce que ça dérape autant et aussi rapidement Eh bien, la réponse c'est que si vous aviez fait assez attention aux détails la concernant dans les chapitres 1 et 2, vous auriez probablement pu le deviner. Enfin, deviner que c'était possible. Et pour commencer à expliquer ça, il va nous falloir nous plonger dans son état psychologique en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'il est ce qu'il est, qu est et comment il peut s'effondrer si facilement Tout tourne en vérité autour de sa situation familiale. Au point que sa famille sera plus que probablement le focus d'un prochain chapitre, honnêtement. La famille Holiday. Vous êtes prévenu, il va y avoir 30 jeux de mots sur les fêtes de fin d'année dans les prochains paragraphes. Hein le premier point noir et le plus évident dans ce que vit actuellement Noël vient de son père, Rudolf, qu'on retrouve jusqu'à présent tous les jours à l'hôpital. Meilleur ami d'Asgore depuis la fac et l'un des habitants les plus souriants d'Hometown, Rudy est malheureusement malade aujourd'hui, crachant ses poumons à chaque fois qu'il rit un peu trop, et il est difficile de mesurer la gravité de sa situation. Lui-même tente tant bien que mal de beaucoup minimiser sa maladie, disant qu'il sortira bientôt et promettant à Noël qu'il ira même à l'église le lendemain du second chapitre, mais ça me semble personnellement relativement difficile à y croire au vu du fait qu'il est évidemment à l'hôpital, d'une homme de cadeaux et de porte-bonheur qui lui ont été amenés par ses proches témoignant de leur inquiétude à son sujet et du fait, de façon un peu plus méta, qu'on est dans un jeu et qu'il est un peu le dernier soutien que Noël semble avoir dans sa vie et que c'est exactement le genre de personnage que les jeux aiment faire perdre à leurs protagonistes pour les détruire un bon coup. Donc oui, je, je pense totalement qu'il va mourir malheureusement. Tout ceci sans parler du fait que Delta Run est techniquement pas la seule apparition de Rudy. En septembre 2020, pour le cinquième anniversaire d'Undertale, Toby a décidé de sortir des dialogues initialement prévus pour une application de réveil avec comme thème les persos d'Undertale donc, les reprenant manifestement après la fin trop pacifiste, à la surface et en particulier ici, durant l'hiver aux alentours de Noël. Et dans ce cadre, outre le fait que Sans fait canoniquement la default dance de Fortnite, impliquant donc que Fortnite est canon dans d'Undertale, ou des trucs plus touchants et un peu plus sérieux, comme le fait que, dans un état second plus ou moins causé par le fait qu'elle s'occupait mal d'elle-même, même dans sa dépression, Toriel avait reconnu brièvement Azriel en voyant Flowey une fois dans les ruines. Avant de tout oublier, sauf le fait qu'une fois réveillé, un verre d'eau à moitié plein, caractéristique de ses enfants Azriel ou Kara, était à côté d'elle. Eh bien, dans ces dialogues, Asgore nous parle assez longuement de son rapport particulier avec la fête de Noël et ce que ça lui évoque, à savoir son ami de jeunesse Rudy, qu'il décrit même comme son Rudolph, Little Littlegicking. Asgore dit qu'il a pu l'accompagner dans toute sa vie, sa jeunesse, son mariage, la naissance de ses filles, l'effet des années. Et et finalement, alors qu'Asgore ne prenait pas une année en tant que boss monster sans enfant vivant, le crépuscule de sa vie. Un crépuscule sans soleil. Qu'Asgore n'a jamais pu lui montrer, n'ayant jamais pu atteindre la surface avec lui. Voilà également pourquoi je pense que la mort de Woody est une forte possibilité. Parce que cela ferait écho au monde d'Undertale, où manifestement il l'est aussi, et où ses filles grandissent à la surface sans lui. Mais que ce soit le cas ou pas, dans les prochains chapitres de Delta One, il est indéniable que cette éventualité pèse sur la conscience de Noël. D'autant quand on prend en compte la relation qu'elle doit avoir avec sa mère justement. Et parlons-en, tiens. La mère de Noël que je vais maintenant représenter avec cette image de mère Noël vu qu'on l'a pas encore rencontrée et qui se trouve être la mère de la ville. Je sens que ça va être compliqué cette affaire. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur elle d'ailleurs. Mais justement, le fait qu'on en sache si peu, on connaît même pas son nom, hein, et qu'on ne la voit jamais, on dit déjà long sur elle. Sachant que même le fait que la mère de Noël soit la mère de la ville est une déduction de différents textes. Du fait qu'elle a un sapin dans la mairie et qu'elle laisse la clim activée en permanence pour qu'il y fasse froid et le fait qu'elle fisse dit qu'on est voisin avec la mère. Sachant qu'à notre connaissance, on est voisin qu'avec Noël par exemple. C'est une mère, dans le sens maman, très absente, probablement workaholic, bourreau du travail donc, qui a très peu de temps à consacrer à sa fille, et d'après une des répliques de Rudy, qui dit sans vouloir de laisser Noël uniquement entre les mains de sa mère en raison de sa maladie, on laisse pas mal sous-entendre qui plus est qu'elle doit être difficile à vivre et que leur relation n'est pas toute rose. Et c'est donc dans cet environnement que Noël doit évoluer. Mais l'élément final dans ce cadre familial, et probablement la source de pas mal des autres problèmes déjà mentionnés à vrai dire, concerne un personnage encore plus obscur que la mère de Noël, un personnage semblant directement lié au plus profond trauma de notre ami la reine des neiges je fais des jeux de mots de taré, on ne m'arrête plus à savoir sa mystérieuse sœur des ou december pour faire très simple tout ce qu'on sait sur elle c'est qu'elle était manifestement la grande sœur de noël très protectrice et proche d'elle traînant avec elle avec leurs amis chris et asriel lorsqu'ils étaient enfants elle est aussi la source d'une passion un peu plus sombre de noël les films d'horreur qu'elle regardait avec sa sœur et qui la lui rappelle. et bien que ça ne soit pas entièrement confirmé les sous-entendus sont assez solides là-dessus vous l'aurez probablement compris la raison pour laquelle je vous parle de tout ça au passé c'est que des semble manifestement soit avoir disparu soit s'être éteinte et depuis un certain temps maintenant pour revenir au sujet de Rudy au sujet de la mère de Noël par exemple, celui-ci dit bien qu'il s'en veut de la laisser seule avec sa mère, indiquant par là même que Death n'est en effet plus là, malgré les références répétées que Noël est la seule à faire à ce personnage. Quelle que soit la raison de son absence, le souvenir de Death est quelque chose qui semble être une véritable plaie ouverte pour Noël. Et c'est quelque chose que même Queen, ayant pu observer tous ses comportements sur les ordinateurs de la bibliothèque, semble avoir compris, prenant probablement un rôle particulièrement protecteur, bien que se servant d'elle au passage, pour remplacer Death. Parce que souvenez-vous, Queen veut au fond le bien de Noël, même si elle est égoïste, incluant des références à elle un peu partout dans son cyberworld, notamment sur le calendrier dans la chambre qu'elle lui a fait, qui affiche tous les jours comme étant le 25 décembre, référence au fait que Noël a dû particulièrement chercher le terme December Holiday sur Internet, le nom de sa sœur, mais qui signifie aussi littéralement jour férié de décembre. Ou encore dans la salle où elle explique un souvenir qu'elle a d'un incident qui aurait lieu avec Chrissie asriel vers le cimetière, sans qu'on en sache exactement plus, un souvenir nostalgique qui la ramène brièvement, littéralement, en enfance, les lettres que puzzle affiche progressivement composant le mot December justement. Mais là où cette obsession, parfois un peu malsaine, envers ses souvenirs avec sa sœur se transforme en véritable trauma, c'est quand Birdly nous explique comment il est devenu premier de la classe devant Noël et pourquoi elle se sent éternellement inférieure, à savoir qu'ils ont tous deux participé plus jeune à un concours d'orthographe où comme toujours Noël semblait plus forte que lui, jusqu'à arriver au dernier mot où pour une raison ou une autre enfin Birdly a pu coûter à la victoire. Les choses prennent sens lorsqu'on réalise que ce mot c'était December, faisant manifestement complètement bloqué noël probablement assailli par le deuil et voilà pourquoi noël nous suit si facilement lorsqu'on la manipule nous une personne qui était là dans ses souvenirs de death aussi et qui sait précisément comment la briser profiter de la faiblesse de son état mental pour la remodeler en un simple outil à notre service face à toute opposition et ce jusqu'au bout mais je dois dire cependant que ceci n'explique pas totalement pourquoi cette arme est si puissante pour autant. Et pour ce faire, je vais, si vous le voulez bien, totalement pomper une théorie d'Enzoul, parce qu'il a honnêtement bien plus bossé sur ce sujet précis que moi, qu'il a posté sur le Reddit de Delta Rune en 72 après la sortie du chapitre, et qui est elle-même basée sur une théorie écrite par Fodcrafter sur le Reddit Undertale Theory du temps du chapitre 1. Bon, évidemment, je vais la remixer à ma sauce comme toujours, mais sachant que je sais moi-même pas jusqu'à quel point j'y adhère en l'état, simplement que c'est super intéressant et plutôt très probable quoi. Je me fais la voix qui va relayer tout ça ici. Globalement, la théorie est la suivante. La raison pour laquelle Noël est si puissante est que, dans cet univers, elle est l'ange décrit par la prophétie. Alors d'abord, petit rappel sur l'ange. Dans Undertale, ouais, quand je disais rappel, on repart de si loin, je sais. Vous vous souviendrez qu'un certain Gerson décrivait ce symbole nommé Rune Delta, anagramme d'Undertale, et... techniquement, c'est aussi un anagramme de Delta Rune, mais je pense que c'est tellement évident pour le coup que personne dirait ça. Symbole d'une sorte de prophétie représentant un être en Ayant vu la surface et qui libérerait les monstres des souterrains. Une autre interprétation plus sombre de cette prophétie étant que cet être serait un ange de la mort, venu libérer les monstres en libérant leurs âmes de leur corps, en les tuant tous donc. Ceci menait à la conclusion intéressante que cet ange était manifestement simultanément azriel en pacifiste, ayant vu la surface, été ramené à la vie, temporairement absorbé les six âmes humaines et celles de tous les monstres pour ouvrir la barrière, et tous les libérer après qu'on les défait. Mais aussi probablement Kara, via le joueur en génocide, puisqu'ayant également vu la surface, et été ramené plus ou moins à la vie pour tuer la totalité monstre, voire détruisant le monde entier à la fin à vrai dire. La raison était probablement alors qu'Asgriel ou Kara n'ont pas vu la surface seule disons. Enfin si Kara a bien dû voir la surface avant d'arriver dans le souterrain, mais on sait pas si ça compte. Ils l'ont vu fusionner ensemble. Asgriel en prit l'âme de Kara pour franchir la barrière, faisant deux tous deux simultanément l'être prophétisé selon les événements dans Undertale. Là où les choses se compliquent c'est quand on revient sur ce qui est vraiment notre sujet, Delta Rune. Parce que dans Delta rune, ce symbole de la rune Delta revient de deux façons. Premièrement dans le Light World, où les habitants d'Hometown semblent vénérer une divinité qui y est liée, et qu'ils nomment également l'Ange. Alvin, le fils de Gerson, tient également une église qui lui est dédiée. Et à vrai dire, cette religion semblait en parallèle jusqu'à un certain point à celle de Nortel, dans lequel, si vous vous souvenez bien, on avait pas mal théorisé sur l'enfance de Kara et Azriel dans le modèle du Kara narrateur déduisant que le nom de « démon qui vient quand on appelle son nom » et de « God of Hyper Death pour Azriel étaient des surnoms que ces deux-là se donnaient étant enfants, probablement eux-mêmes basés sur les femmes. Interprétation de la rune Delta en premier lieu. Ce qui implique en effet probablement que la raison pour laquelle on a deux anges qui prennent ces noms, voire carrément une forme angélique et démoniaque, et deviennent l'ange, est qu'ils avaient connaissance étant enfants de la prophétie qu'ils allaient accomplir eux-mêmes bien plus tard. Si vous avez rien compris, vous pouvez me dire merci dans les commentaires. <laughs> Et de la même façon, dans Delta Rune, Asriel est décrit comme étant très pieux envers ce même ange, ayant même possiblement designé un boss d'après lui dans son jeu comme décrit plus tôt. La difficulté ici étant cependant que cette religion, dans Undertale et dans Delta Rune, doit relativement différer malgré tout, étant donné qu'évidemment elle ne peut pas tourner dans des airs autour du fait qu'un ange les libérera des souterrains. Ils n'y sont pas. Mais là où ça se complique encore plus, c'est concernant la seconde apparition de la rune Delta, son interprétation dans le Dark World d'après Ralsei, puisque d'après lui, elle représente la prophétie que le jour où la balance entre la lumière et l'ombre sera brisée. Trois héros, un humain, un monstre et un prince des ombres apparaîtront, scelleront les fontaines d'ombre et banniront le paradis de l'ange. Le fait que ces fontaines prolifèrent étant associé, d'après le chapitre 2, avec le fait que le monde sera plongé dans l'ombre, que les Darkners seront transformés un à un en statues et que les Lightners survivants seront laissés dans la nuit éternelle d'un monde dévasté par des titans prenant forme depuis les fontaines. Et donc toute la difficulté avec la rune Delta et qui sera probablement un enjeu majeur de Delta Rune. Je suppose que le jeu s'appelle pas comme ça pour. Rien sera d'arriver à lier ces trois interprétations du symbole, particulièrement ce que ça signifie dans le Light World et ce que ça signifie dans le Dark World. Sa signification dans Undertale étant probablement liée, mais de façon bien plus parallèle, je suppose. Mais ce qu'on peut déduire de plus important ici, à travers ces deux jeux, c'est que L'ange ne semble pas être une bonne entité, ou pas uniquement, et dans Delta Rune non plus donc, étant associé à ce qui semble être le rugissement et devant être repoussé par les trois héros. On peut assez facilement donc supposer que, en l'état, son paradis est en vérité une sorte d'enfer. Faire, quelle que soit sa nature exacte. Et c'est dans ce cadre que Noël est particulièrement intéressante, parce qu'évidemment il serait facile de lier l'ange au knight, jusqu'à présent tous deux des entités mystérieuses à affronter donc. Mais de par sa position, et via certains liens supplémentaires qu'on va faire là, Noël est un personnage qu'on peut contrôler pour faire le mal, et probablement le bien également, nous ramenant à la dualité positive et négative de l'ange d'Undertale, étant jusqu'à présent le seul personnage permettant le choix tel qu'on l'avait dans Undertale justement, comme si elle n'était pas aussi limitée par ce qui semble être une règle de univers que nous on va y revenir en particulier certains détails la concernant sont particulièrement intéressants premièrement il y a la question pour laquelle on est arrivé sur ce sujet en premier lieu celle de son pouvoir elle est constamment décrite même en route normale comme étant extrêmement puissante et ayant à minima un grand potentiel caché ce que l'on peut voir directement en route snowgrave c'est quelque chose qui est beaucoup mentionné par queen qui parle d'elle spécifiquement comme d'une personne forte non pas en utilisant le mot tough plutôt associé à une force de caractère ce à quoi on s'attendrait ici normalement mais bien en utilisant le mot strong plutôt à Associée à une force physique ou psychique dans un monde où quelque chose comme ça existe. Queen ne dit pas qu'elle est juste une personne forte, elle dit qu'elle a un grand pouvoir. Et à vrai dire, il est possible que tout comme nous en Snowgrave, Queen l'ait vu de ses propres yeux en vérité. Et je vais là piocher un argument de Daryl Talks Games dans sa vidéo sur la psychologie de Noël où il propose l'idée que, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, les Darkners autour de Noël lorsqu'on arrive et toute la zone qui est bien endommagée ne le soit pas parce qu'ils viennent tous d'être attaqués par Queen ou ses sbires. À vrai dire, les Darkners sont complètement bouche bée comme s'ils avaient été surpris par quelque chose d'inconnu, et ils sont censés connaître Queen, voire la servir directement. Et de son côté, Queen attrape directement et aisément Noël. Il n'y aurait pas eu tout un champ de bataille pour la capturer, donc ça aurait assez peu de sens. Ce qui aurait pu se passer en revanche, et faire naître tout l'intérêt que Queen a pour Noël, c'est que, attaqué par un de ses Darkners, Noël aurait commencé, dans la panique, à libérer ses pouvoirs sans faire exprès, montrant l'étendue de sa puissance lorsqu'elle perd tout contrôle sur elle-même. Chose que Noël aurait assez immédiatement oublié, comme elle le fait à chaque fois que ça arrive en Snowgrave. C'est la façon dont son esprit réagit systématiquement. À chaque événement qui lui est choquant, et le tout sachant qu'on la retrouve alors dans une pause faisant certainement directement référence à celle qu'elle prend après avoir utilisé Snowgrave sur Birdly, effondré et sous le choc. Bref, évidemment on attend de l'ange qu'il soit très puissant. On est dans un jeu à nouveau, c'est la façon dont ce genre de personnage se manifeste, possiblement même en tant que boss final. Et dans ce cas Noël serait une excellente candidate d'après ces éléments. Une autre chose plus secondaire maintenant qui pourrait aussi jouer à sa puissance peut être formulée à partir du contexte qui nous est donné par Deltarune et l'alarme clock d'Undertale décrite plus tôt. Bien que ça ne soit qu'une hypothèse en l'état, qu'elle ne soit pas forcément obligatoire, et qu'il soit difficile de dire si c'est important ou pas, sachant qu'on a encore du mal à savoir si les monstres ont la même composition entre guillemets que dans Undertale, à savoir de la magie, sachant qu'ils ne savent pas l'utiliser en dehors du Dark World dans cet univers, c'est-à-dire l'idée que Noël serait un boss monster, au même titre qu'Asgore, Toriel et Asriel, et donc par extension que toute sa famille, en particulier Rudy, l'est. Cette idée est intéressante dans le cas où Toby nous a jusqu'à présent toujours présenté Rudy comme un personnage mort ou en mauvais état et ayant eu des enfants, dans les deux univers. Sachant que je rappelle que la particularité des Boss Monsters est qu'ils ne vieillissent que lorsqu'ils ont des enfants, leur transmettant progressivement leur énergie vitale en quelque sorte. Si les monstres sont toujours bel et bien entièrement des êtres magiques et non physiques, comme décrit dans UT, il pourrait sembler étrange qu'ils puissent attraper une maladie en soi. Peut-être alors dans ce cadre que Rudy n'est pas vraiment malade au sens propre. Il arrive simplement, progressivement, à court d'énergie vitale. Et sa flamme est sur le point de s'éteindre, l'affaiblissant grandement, ce qu'il cache pour le moment. Noël arrivant relativement à la fin de sa croissance. Ensuite, on a des métaphores et des termes intéressants utilisé envers notre potentiel ange. Le plus évident, c'est qu'en constatant la dite puissance de Noël, donc avec les mêmes éléments que nous, Spamton fait un petit peu la même déduction en route snowgrave, appelant directement Noël angel, argument simple et efficace. Ceci dit, j'argumenterai que selon la situation, Spamton voit un peu l'ange en tout le monde, pour être honnête. Dans son magasin, il parle de faire la communion avec la personne qui lui parlait au téléphone, et cette idée de communion lui fait également penser au Knight. Le terme de communion étant lié à la religion, normalement on fait la communion avec son Dieu. Ça en dit déjà long également. Et puis il est assez probable avec le fait qu'il dise qu'il veut monter jusqu'au ciel et via sa forme générale qu'il s'associe également à l'ange lorsqu'il est en forme néo évidemment. Une autre phrase intéressante vient de Noël elle-même lors de son date avec Suzy dans la grande roue où, stressée, elle dit qu'elle sauterait bien par la fenêtre et comme elle pense que tout ceci n'est qu'un rêve, de grandes ailes pousseraient dans son dos lui permettant de voler aussi loin que possible, les lumières de Cyber City brillant derrière elle comme des guirlandes de Noël. Tout ceci étant probablement une double référence un peu méta à Azriel God of Hyperdef. à la Fin d'Undertale en trou pacifiste, qui est alors l'ange, donc obtenant d'énormes ailes, et qui est entouré de lumière arc-en-ciel, qui se trouve être une texture colorée comme l'arc-en-ciel, en négatif et superposée sur elle-même, représentant une grande ville. C'est pointu, mais si cette référence est volontaire, ce serait très très bien vu de la part de Toby. On a aussi deux petits liens musicaux, à savoir que la musique en fin de chapitre 1, Don't Forget, qui semble décrire le combat des héros alors que le rugissement a commencé, donc quand le fameux paradis de l'ange commence à se concrétiser, décrit alors que dans la nuit éternelle, il y a une lumière dans notre âme qui brille encore dans le froid. Et le fait que le supposé paradis de l'ange soit associé avec le froid dans le cas dont on parle de Noël et de ses pouvoirs est évidemment intéressant. Bien que je serais tenté d'associer ça au Void aussi, on avait également associé ça au froid du temps de Nortel si vous vous souvenez bien. L'autre lien vient du fait que l'un des thèmes associés à Noël en Snowgrave, Flashback, qui se joue en fin de chapitre dans Lightworld, lors d'un événement assez spécifique dont on va reparler juste après, partage un leitmotif avec Zioli, le thème des fontaines d'ombre, elle-même associée à nouveau au paradis dit de l'ange, ce qui implique donc un lien. Un dernier élément relativement mineur que je veux ajouter avant de revenir aux gros arguments concerne certaines versions de la rune Delta, en particulier celle-ci sur la façade de la maison de Toriel, qui est assez étrange puisque l'orientation des triangles y est inversée. Si bien que, dans son poste initial, Fodcrafter, en comparant les différentes représentations de la rune, et indépendamment de tout ce qu'on dit là sur Noël, pour rappel c'était du temps du chapitre 1 donc il avait beaucoup moins d'infos, théorisait qu'il y avait pu y avoir une évolution de cette même rune, et une certaine transformation de son sens avec le temps. Et particulièrement que L'ange ne semblait pas avoir des ailes ici, mais possiblement bel et bien des cornes ou des bois. Ce qui est particulièrement recevable sur cette rune Delta C, donc, qui serait basée sur un des designs les plus anciens de par l'orientation de ces triangles également. Le seul problème que je vois avec ça, c'est que ça se retrouve sur la maison de Toriel qui semble plutôt très récente, mais voilà, c'est intéressant. Mais bref, le gros argument que j'évite depuis le début, et on va arrêter de tourner autour du pot, c'est le fait que Noël a juste une imagerie angélique voire christique de partout, quoi. Premièrement, de la même façon que Suzy et nous 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 transformons dans dans le Dark World, pour prendre une forme plus héroïque, en tant que héros de la prophétie, donc, Noël se met à porter une grande robe blanche, habit traditionnel d'un ange dans l'imagerie populaire. Son sort de soin, il prieur, qui est donc une prière, l'idée de religion n'étant jamais très loin, est décrit comme une lumière divine. Ensuite, en Snowgrave, on lui fait évidemment utiliser l'anneau d'épine, référence à la couronne d'épines ou sainte couronne que porte le Christ dans sa crucifixion comme un instrument de la notion chrétienne de passion, à laquelle le fait même que cet anneau fasse mal pour être plus puissant en termes de <laughs> gamer, est certainement une référence. Crucifixion qui au passage pourrait être mis en parallèle avec le fait que Queen accroche Noël en position de croix sur la main de son mecha en route normale, ou à minima avec le fait que cela lui donne à nouveau une forme angélique, ses deux bras avec les manches très larges faisant ici office d'elle, ce qui peut aussi clairement rappeler l'imagerie des anges de neige. La neige, on y revient tiens. Et ce sans parler du fait que Noël porte bien évidemment un nom qui fait référence à l'événement associé à la naissance de Jésus, toute l'imagerie est ici assez Évidente à vrai dire. Bref, évidemment, malgré tous ces éléments, il est assez difficile d'affirmer directement que Noël va être l'ange, je serai le premier à l'avouer. C'est déjà beaucoup d'arguments, mais c'est aussi un énorme élément de l'intrigue qui reste encore mystérieux dont on parle là. Cependant, il me semble assez indéniable à nouveau que l'idée est déjà amorcée. Il n'y aurait rien de très étonnant à ce qu'elle soit l'ange. Et ça pourrait certainement être même étrange que seulement au sein d'un seul chapitre, les personnages la prennent pour l'ange en se trompant. Il y a certainement un peu plus que ça qui est en jeu ici, et probablement. Donc ça reviendra dans ce cadre. Mais reste un aspect que j'ai un peu laissé de côté concernant cette route Snowgrave, et c'est à nouveau celui qui m'intéresse vraiment, qui me semble à nouveau faire le lion de ce chapitre, et qui est encore plus clair qu'il ne l'était avec Spamton, à savoir le sujet du contrôle. Parce que c'est bien joli nos histoires d'une Noël très influençable et manipulable, au grand pouvoir, mais sans volonté, mais à un moment, il faut un manipulateur. Quelqu'un qui lui inculque normalement cette volonté en route normale, mais qui ici va choisir de la garder pour lui. Et ça, ça n'a rien d'anodin. Et c'est là que nous entrons en jeu. Et je dis bien nous. Parce que la situation est très similaire à ce qu'elle était du temps où on argumentait sur la responsabilité du joueur et non de Kara en route de génocide d'Undertale. Bien que le message que Toby fait passer ici me semble encore plus clair et qu'il ne devrait vraiment pas vous avoir échappé. Nous sommes les seuls responsables. Et bien sûr, tout ça est en grande partie dû au fait que seul Chris, dans sa position d'ami d'enfance de Noël, mais aussi de Death, et donc de personne qui a toute confiance de la première, aurait pu la connaître assez pour la manipuler autant, au point de complètement la détruire de l'intérieur. Mais aussi au-delà de ça, ce que là... Snowgrave Route révèle, c'est que le personnage dont elle avait le plus besoin pour se réaliser, c'est le joueur, pas juste Chris. Déjà, rien que parce que normalement, le joueur a déjà pu faire l'expérience d'au moins une run normale dans le chapitre 2 au préalable, et a donc des connaissances liées au fait d'avoir déjà vécu beaucoup de ces événements, un pouvoir qui est inhérent à celui de pouvoir sauvegarder, relancer le jeu, etc. Quand bien même la sauvegarde est, en l'état du moins, beaucoup moins prévalente dans l'histoire de Deltarune qu'elle ne l'était pour Undertale. Mais surtout parce que c'est à travers cette route que le joueur, en tant que personnage à part entière de Delta Rune va le plus exhiber sa présence et ses pouvoirs, et donc manifester son existence intradégétiquement, au fond. Il est fait note à de nombreuses reprises durant cette version du chapitre à quel point Chris est étrange par rapport à d'habitude, semblant presque être une autre personne. Et ceci va particulièrement devenir visible dans certains contextes où Noël en particulier va se mettre à entendre ce qu'elle pense initialement être la voix de Chris, mais n'est maintenant pas de sa bouche, puisque ne résonnant semble-t-il que dans sa tête. Par exemple, lorsque Chris tombe au combat, mais qu'on continue de lui donner des ordres sur ce qu'elle doit faire, à travers l'interface de combat. Noël note bien qu'elle continue d'entendre sa voix, en vérité la nôtre. Et c'est encore plus évident dans certains événements optionnels dans le Light World, après la Snowgrave Route. En se rendant à l'hôpital dans cette version des événements, on retrouve à nouveau Noël jouant à un jeu avec Rudy, mais cette fois elle semble avoir une obsession envers le fait d'utiliser une attaque de glace plutôt qu'une attaque de feu, sur ce qui est pourtant un boss de glace, et refuse de laisser le contrôle du jeu à son père. Et elle bondit d'horreur en voyant Chris arriver. En la prenant à part cependant, il devient clair que l'enfer qu'a vécu Noël ne se limite pas à ce qu'il a pu se passer dans le Dark World. D'autant s'il en a pris sa montre depuis son inventaire, plutôt. Dans la run. Allez, c'était juste un mauvais rêve. Malgré tout, c'était si réel. Je n'arrive pas à me changer les idées. Cette voix qui me disait quoi faire, une voix si différente de celle de Chris, une voix terrifiante. Pourquoi est-ce que Chris agit de façon si étrange Pourquoi venir encore et encore visiter l'hôpital Hein, hein que Chris Depuis quand est-ce que tu es là Pfiou, tu <laughs> tu m'as fait vraiment peur, tu sais. Tu n'es Noël. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Après tout, c'était juste un rêve, non Chris, pourquoi est-ce que tu as ma montre Quand quand est-ce que Cette scène met bien en évidence tout ce dont je parle et la façon dont, en croyant observer Chris, Noël semble avoir le sentiment qu'elle a en vérité affaire à quelqu'un d'autre. Et rétroactivement, ceci confirme, même si on s'en doute pas mal, la canonicité du personnage joueur et la totalité de nos actions comme plus ou moins diégétiques. C'est-à-dire dans l'univers fictif de Deltarune, donc nous sommes le personnage qui, probablement via son âme, a pris le contrôle de Chris. Rappelez-vous qu'on pouvait déplacer la dite âme dans la cage lorsque Chris nous avait expulsé de son corps en fin de chapitre 1. À chaque décision que Chris doit prendre, c'est en vérité nous qui décidons. À chaque commande donnée au combat, c'est nous qui commandons. Et à chaque mot prononcé par Chris, c'est nous qui parlons. Nous avons le contrôle. Et quand on y réfléchit bien, il y a d'autres moyens où ceci a été clairement sous-entendu. En particulier dans les deux scènes où nous sommes observateurs d'événements dont Chris ne fait pas partie. Une fois en chapitre 1 et une autre en chapitre 2. À chaque fois pour suivre Suzy. Dans ces deux situations, il semble que nous soyons en tant que joueurs séparés temporairement de Chris. Et on va revenir un peu plus loin à toutes les implications de ça. Comme si nous projetions... Nous conscience ailleurs. Ainsi, en chapitre 1, lorsque Suzy cherche un moyen de nous sortir des geôles du château de deux cartes, on peut lui indiquer la direction à prendre. Suzy réagit alors comme si elle avait entendu Chris parler, ce qui l'étonne, sachant qu'elle ne devrait pas pouvoir l'entendre à cette distance. Et en chapitre 2, durant le rendez-vous entre Noël et Suzy, cette dernière semble plus ou moins tentée d'ignorer nos conseils tout du long, mais réagit comme si elle les entendait bel et bien. Et de façon plus directe et méta, le personnage dont on parle est le joueur, et nous, en tant que joueurs, ce que l'on regarde, ce sont ces scènes-là. Pas bah Chris est en train de réfléchir très très fort à ce qui peut bien s'y passer. Et ce sont sur ces scènes-là qu'on interagit. On pourrait même argumenter que dans le menu, on sélectionne avec notre âme. Notre âme est figurativement présent dans ces scènes. Donc on est bel et bien là, séparé de Chris, à parler au personnage sans se servir de ce corps. Comme je le disais encore une fois, nous avons le contrôle, Chris n'est que notre marionnette. Et en Snowgrave, Noël aussi par extension, même si indirectement. Reste alors la question du pourquoi. Parce qu'on comprend bien tous les éléments précédents, comment Noël se fait manipuler, et comment on se sert de nos pouvoirs que ces événements aient lieu, mais si le joueur est un personnage de Deltarune, il doit bien avoir des motivations, une raison à ce qu'il fait, et de façon plus métaphorique, Toby va bien tenter de faire passer un message, une morale, dans la suite de cette run. C'est encore relativement difficile à discerner, mais on peut commencer à, à en ressortir quelques thèmes. Ce n'est pas pour rien que la Snowgrave Route de Delta Deltarune et la Génocide Route d'Undertale sont si comparables déjà. Elles présentent toutes deux un joueur qui en vient à tuer cruellement toute opposition. Et sans pour autant prétendre psychologiser des millions de joueurs dans ces deux jeux, probablement en bonne partie par que morbide, de là où ça peut bien mener les personnages, et plus largement l'univers du jeu. Là où c'est étonnant et que je trouve ça bien plus fort que dans Deltarune, c'est dans le prenant sous langue du fait que c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous avait promis pour ce jeu ans. Dans sa FAQ, lors de la sortie de Deltarune, Toby avait été très clair sur le fait qu'il n'y aurait qu'une seule fin. Je veux dire, quoi vous fassiez, la fin sera la même. Mais pour une raison ou une autre, ça semble particulièrement accablant à dire ici. On peut normalement pas faire bien plus clair. Et à nouveau, dans la FAQ du site de Deltarune, il est clairement dit qu'il n'y aura qu'une seule fin, avec la joie. Intéressant qu'il y a des choses plus importantes à faire que de simplement atteindre la fin. Et même si je trouve la réponse un peu moins claire dans la FAQ de la page Steam, plus récente, qui répond qu'il n'y aura qu'une fin avec beaucoup d'incertitudes quand même, c'est quelque chose qu'on a voulu nous faire comprendre dès l'intro du premier chapitre. Personne ne peut choisir qui il est dans ce monde. Un premier signe que dans ce monde, nos choix n'ont pas d'importance, que Sizi dit directement un poil plus loin, annonçant l'exploration d'une thématique assez opposée à celle de Nurtel. On explore plus le libre-arbitre, on explore son Absence ici. Et malgré ça, nous voilà dès le chapitre 2 avec une seconde route qui diffère de beaucoup de la première. Je veux dire, Birdly a un peu l'air mort quand même, au mieux il est comateux. Alors pourquoi Bon, je vais pas faire genre, j'en sais rien. J'attends la suite tout autant que vous, et tout ce que je peux faire cependant c'est espérer que ça n'est pas que Toby a changé d'avis et abandonné ce thème en cours de route. Ça m'étonnerait sachant qu'il a ce projet en tête depuis plus de 10 ans et que ça semblait assez fondamental à l'histoire qu'il voulait raconter, mais voilà. J'ai un peu deux pistes de réflexion qui me semblent ressortir cependant, sans pouvoir être euh, bien plus que ça évidemment, en attente de toute validation. Sachez aussi que ces deux possibilités que je vais énoncer maintenant peuvent aussi être vues comme deux effets que je pense personnellement qu'on va tous les deux observer dans la suite des choses, et donc qui peuvent agir en même temps, qui sont plus ou moins complémentaires. Dans ce cas de la question est plus lequel prendra le pas sur l'autre. La première interprétation est la plus simple, c'est qu'on s'inquiète purement et simplement pour rien, que tout ce qui se passe jusque-là et tout ce sur quoi on peut influencer est en vérité sans aucune Importance, ne fait que nourrir une grande illusion de choix, fort heureusement à un niveau bien plus poussé que l'illusion de choix habituelle que beaucoup d'autres jeux où on peut avoir un choix de dialogue ou deux décisions qui mènent à la même conclusion de façon différente au bout de quelques secondes ou au mieux de quelques minutes, mais à bien plus grande échelle. Le tout donc pour nous briser cette illusion le moment venu et délivrer un message. Plus concrètement, peut-être que la présence ou non de Birdly pour la suite des événements ne change strictement rien, ça serait pas vraiment étonnant en fait, il sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Et plus largement, quel que soit l'état mental. De Noël à l'instant T en route normale, il finira par se dégrader et à rejoindre l'état dans lequel elle est au même moment en route Snowgrave. Et en m'avançant déjà beaucoup, la conclusion de ça serait que, quoi qu'on en pense, même si on croyait avoir le contrôle, on ne saurait l'avoir, car le choix n'existe pas dans ce monde, et que les vraies forces qui lui permettent de se mouvoir et qui nous sont supérieures et inatteignables l'amènent forcément à une même conclusion. Maintenant, la seconde possibilité que je retiens, c'est une solution qui admet déjà la première, dans laquelle on accepte, en tant que joueur, que nous n'avons pas le contrôle sur les choses. Et que, pour une raison ou une autre, ce monde est construit pour que nous au moins soyons incapables de le transformer par nous-mêmes. Une thématique qu'on pourrait faire recouper avec l'idée que Gaster nous y a envoyé. Gaster qui, aux côtés de Sens d'après Undertale, craignait probablement l'anomalie, à savoir nous, la personne qui pourrait manipuler ce monde. Et c'est là qu'entre en jeu un personnage comme Noël. Peut-être qu'elle peut changer les choses, elle, et que la contrôler est ce qui nous permet de contrôler le destin. Et donc euh, c'est parce qu'on l'a contrôlé, plus ou moins par hasard, qu'on a pu créer une route alternative qui pourrait mener au au moins pendant un temps, à autre chose. Ceci peut aussi être vu comme un argument supplémentaire que Noël pourrait être l'ange, dans le cas où ce serait vraiment la seule personne capable de transformer les choses comme ça, ce qui reste très hypothétique en l'état. Ainsi, la morale resterait en effet qu'on ne pourrait pas changer les choses par nous-mêmes, que notre libre arbitre est sans importance. Mais ensemble, c'est une autre histoire. Grâce aux autres personnages, on pourrait peut-être éviter la fatalité qui nous attend en fin de jeu, parce qu'on va pas se mentir, il y a une prophétie sur la fin du monde, et une prophétie c'est un peu fait pour se réaliser quand même. À un moment ou un autre, on va probablement y goûter au paradis de l'ange. Que ça puisse être. Mais bref, si vous voulez mon avis perso, quand bien même la seconde hypothèse est très intéressante dans le concept qu'elle propose et que j'aime beaucoup l'idée, donc je dois avouer que la première semble faire en l'état beaucoup trop de sens quand on réfléchit au jeu de façon thématique comme j'essaie de le faire ici, parce que c'est probablement en bonne partie comme ça que Toby tente d'imaginer le jeu, en partant de ce qu'il veut dire et en redescendant progressivement vers chaque événement et scène un par un, ou à minima en les écrivant tous avec ses idées phares en permanence en tête. Et dans ce cadre, il ne vous aura pas échappé que je parle énormément ici de contrôle. Et on a eu auparavant la façon dont les autres sont contrôlés comme Spamton et Jevil on a eu la façon dont on contrôlait les autres avec un petit peu de notre contrôle de Chris et celui de Noël en Snowgrave parce que globalement ça semble être le thème central à Delta Rune pour le moment et je suis assez persuadé que c'est ce dont on va continuer de parler et ce que cette possibilité que nos choix soient sans importance et que notre avenir soit soumis à des forces hors de notre contrôle par définition sous-entend c'est l'idée que j'ai déjà sous entendue à droite à gauche et Toby aussi qu'en vérité notre contrôle est bien piètre si ce n'est complètement factice parce que la personne qui est au fond la plus soumise au contrôle c'est probablement nous. Quand je vous parle de personnages qui pourraient manipuler nos actions d'une façon ou d'une autre, la notion même ne devrait pas vous être étrangère, à vrai dire. Le jeu nous a déjà fait miroiter leur existence à plusieurs reprises au point où on en est. Devrait probablement vous venir immédiatement à l'esprit, Chris, qui malgré le fait qu'on en a parlé comme d'un pantin dans la partie précédente, menace d'être bien plus que ça, le Knight évidemment, qui crée toutes les fontaines d'ombre jusque là, probablement l'ange si ça n'est pas un des autres personnages ici mentionnés, possiblement Gaster aussi, il semble bien nous avoir envoyé là en premier lieu et être par définition au-dessus de tout le reste si noté. Théorie sur le sujet reste valide, et pour finir, si vous avez un peu de flair sur la situation, peut-être même Ralsei. Ça va être un peu difficile de vous en parler un par un comme ça, sachant que tous ces persos s'influencent certainement entre eux en plus de nous influencer nous, et que parfois c'est un peu difficile de dire qui est responsable de quoi sans commencer par parler du contexte. Alors reprenons nos habitudes du chapitre 1 et commençons cette dernière partie par enfin parler de ce qui se passe en fin de chapitre et voyons où ça nous mène. Notez que tous les éléments qui suivent arrivent quel que soit la run choisie, quoi que vous fassiez, et même si vous êtes en donc. on n'est est pas encore au point où les timelines ont divergé à un tel point de non-retour à nouveau. Donc, après être revenu dans le Light World et cette balade en ville, où Sense nous annonce qu'on ne verra pas Papiaus aujourd'hui finalement, écoute-moi bien, Sense, je sais pas ce qui se passe avec Papiaus, je sais pas ce que tu caches, mais il a intérêt à être en un seul morceau sinon ça va saigner et cette fois-ci ce sera pas du ketchup. <coughs> Suzy nous raccompagne jusque chez nous et Thoriel lui propose d'entrer pour faire une tarte puis la manger. On commence donc par aller se laver les mains dans la salle de bain. Allez, lavons-nous les mains. Hop hop, on lave bien, protocole sanitaire. On mouille hop savon euh, frotte 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 entre les doigts et euh, euh oh bah, euh, bah bah merde bah mon corps s'est barré quelle main je vais frotter maintenant euh, donc, euh, du coup euh, où est passé Chris euh, Chris fait ça parfois bon et puis au bout d'un petit moment Chris daigne enfin revenir et la soirée peut reprendre son cours absolument normalement pense oh, pas mal en dessous là bah, oh, moi j'aimais bien qu'est ce qu'on du <laughs> Après un petit tour dehors parce qu'elle avait entendu du bruit, Toriel propose un peu suspicieusement à Suzy de rester pour la nuit. Et à peine posé sur le canapé devant la télé, nos deux héros s'effondrent de fatigue. Dans un coin du séjour, Toriel en profite pour passer un appel à la police, probablement à Undyne, et révèle qu'à l'extérieur, elle a cru voir quelqu'un rôder et que les pneus de sa voiture ont été lacérés, sous-entendant que c'est donc Chris qui a fait ça. On lui promet que quelqu'un va venir vérifier les alentours et en attendant, Toriel aussi s'endort dans son fauteuil. Mais plus tard dans la nuit, le moment venu, Chris se réveille. Éjecte une nouvelle fois notre âme, ouvre la porte de la maison, allume la télé, sort sa lame et la plante dans le sol de toute sa détermination, créant une nouvelle fontaine d'ombre. Bon, bon, bon. Tout ça pose pas mal de questions, et je vais y répondre, mais mettons-nous bien d'accord sur ce dont on parle précisément là, si vous le voulez bien. Comme dans la partie précédente, je parlais de comment le joueur se confirmait comme personnage à part dans la diégèse du jeu, il faut bien comprendre que tout ça ne peut se faire qu'en affirmant ouvertement l'existence indépendante d'un autre personnage. Manifestement, le réceptacle de notre âme, celui qui était déjà là dans ce monde avant qu'on arrive après l'intro, et qui nous expulse, nous, l'âme, que l'on peut encore contrôler, dans la nuit entre le chapitre 1 et 2, et puis deux fois dans le chapitre 2, donc. Et ce personnage, même si je vous le redéfinis proprement ici, on l'a appelé au moins temporairement Chris. Si elle n'a fait qu'une brève apparition précédemment, le chapitre 2 est vraiment le moment où ce personnage s'affirme. De par tout ce que le joueur fait qui puisse trahir sa présence et le fait que nous soyons distincts des lui. Au point que Noël serait presque à deux doigts de voir cette différence évidemment. Mais aussi du fait que les autres personnages du jeu parlent beaucoup plus de temps à lui parler, à sonder son avis et à parler des lui tout simplement. C'est bien plus un sujet de ce chapitre. Mais au-delà de ça, la question de qui est Chris peut rester très floue. Est-elle avant qu'on arrive Qu'est-ce qu'elle cherche maintenant Et est-ce qu'elle est, qu est impliquée en plus de choses que ces simples moments où nous perdons le contrôle en fin de chapitre eh bien tout ça est difficile à dire. Et vous remarquerez donc plus loin que, selon la théorie dont on parle, ma définition exacte de qui est Chris précisément, de ses fonctions exactes au sein du binôme qui elle forme avec le joueur, peut pas mal changer, et ne vous en étonnez donc pas. Notez que je ferai toujours en sorte de m'en tenir au moins à la définition de base qu'on a donnée là, et donc d'appeler le corps en lui-même Chris, et l'esprit qu'il habitait avant notre arrivée également. Mais pour le reste, ça peut changer, et je le préciserai au cas par cas, alors retenez que c'est simplement lié à la question de fond de son identité, une question qu'il est impossible de résoudre complètement en l'état, et sur laquelle tout ce dont on va parler influe. Par exemple, parce que ça ne doit pas être très clair quand je le dis aussi théoriquement, Chris est souvent vu comme équivalent ou équivalente dans Delta Rune à Kara et éventuellement Frisk, mais surtout Cara parce que Frisk importe peu et qu'il y a une certaine ressemblance physique. Et donc la question de la similarité de leur rôle se pose souvent, en particulier concernant la question de la narration. Alors pour revenir aux bases, et sans beaucoup l'argumenter ici, une théorie très classique de Nortel et que j'ai traitée dans ma quatrième vidéo du jeu il y a plusieurs siècles est la théorie sur le Kara narrateur. C'est-à-dire l'idée que que Kara, l'enfant adoptif de Toriel et Asgore dans cet univers, dont l'esprit se trouvait à être à nos côtés pour toute l'aventure, en était le A-Narratoris. La narration de Nortel se caractérisait par le fait qu'elle était clairement non omnisciente, non fiable et conditionnée par les circonstances. Des signes très clairs qu'elle était délivrée par un narrateur interne, un personnage à part entière avec un point de vue sur le monde qui avait son propre arc narratif d'ailleurs et des évolutions propres à sa vision du monde. En particulier, selon la route morale qu'on décidait de suivre dans le jeu et avec le contexte, en particulier lors de ses descriptions d'objets familiers à Kara on pouvait déduire que c'était justement, et lui, Kara en personne. Dans le cas de Deltarune, comme je l'ai brièvement mentionné dans le résumé du chapitre en début de vidéo, on a beaucoup de similarités, il faut le dire. On a moins l'occasion d'avoir plusieurs descriptions différentes d'un même objet, étant donné qu'on n'a pas accès à une infinité de runs différentes et de contextes différents potentiels, mais au moins, on a deux chapitres. Et certaines descriptions changent sans plus de raison que 24 heures se sont passées. Le narrateur semble donc avoir une certaine personnalité, et ne semble pas particulièrement omniscient de ce que j'en vois. Et si ça doit être un personnage connu, c'est plus que probablement Chris en effet, et je pense que ça l'est personnellement. Ceci dit, je dois avouer qu'il manque certainement un petit peu plus pour le prouver honnêtement. Encore une fois, dans Undertale, le rapport du narrateur à certains objets nous prouvait quasiment sans l'ombre d'un doute que c'était Kara. Dans Delta Rune, on n'a pas vraiment ça à ma connaissance pour le moment. Si bien que oui, le narrateur pourrait être Rice, et ça ferait totalement sens au vu du contexte, mais rien ne me dit qu'on n'a pas juste affaire à un narrateur interne, qui serait plus ou moins littéralement tout bien en personne, en tant que créateur du jeu, en train de nous accompagner et d'un peu rire avec nous de certaines situations qu'on rencontrerait. Se le lui bien et la plupart des jeux sont comme ça honnêtement, que ce soit plus ou moins avoué. Donc voilà un exemple des limites floues du personnage de Chris. Je ne sais pas vraiment si Chris est le A narratoris ou si le narrateur est un personnage séparé qui n'a pas grand-chose à voir à vrai dire. Ces concepts introduits proprement cette fois-ci, pour revenir à nos moutons, la grande question que pose cette fin de chapitre 2 dans un premier temps, c'est la question de si Chris ne serait pas par hasard le Knight en personne. J'en ferai en tout cas personnellement de très loin le A suspect ou suspect numéro 1 concernant l'identité de ce dernier. Le premier argument pour est donc évidemment le fait que Chris crée une fontaine d'ombre. Et tout ce qu'on sait sur le Knight de façon sûre, à vrai dire, c'est qu'il crée les fontaines d'ombre. Deuxièmement, ce qui met la puce à l'oreille avant ça, c'est que lorsque Queen parle du Knight et de la création de la fontaine du cyberworld, elle représente visuellement sa lame plantée dans le sol comme un couteau. Arme associée à Chris via la fin de nos deux premiers chapitres, et plus généralement à son homologue Kara dans Undertale. Ensuite, Chris semble posséder le contrôle de son corps à chaque période où une fontaine est créée, c'est-à-dire chaque nuit pour le moment semble-t-il. Et étant humain ou humaine, si les règles d'Undertale valent toujours, Chris devrait naturellement posséder plus de détermination que tous les autres Lightners du jeu, qui sont tous des monstres. Détermination prérequise pour former les fontaines. Le Knight étant normalement forcément un Lightner pour cette simple raison, ce qui au fond ne laisse pas tellement d'autres candidats évidents pour le moment à part Chris. Puis vient l'idée que le point de vue implicite de certains personnages semble être que le Knight est l'ange. À nouveau, Spamton via l'utilisation du mot communion par exemple, ou le fait que parle du projet du Knight comme le paradis de l'ange, sans qu'on parle jamais directement de l'ange dans le Dark World autrement. Si bien que c'est peut-être juste de lui et de son paradis qu'on parle. Le Knight est l'ange. Si c'est bien le cas et que Chris est le Knight et donc l'ange, il ferait à nouveau écho à Kara qui était en partie l'ange de son propre monde. Et pour finir, un point auquel on reviendra. À chaque début de chapitre, une sauvegarde de Chris existe déjà dans le Dark World et non une sauvegarde au nom du joueur, une au nom de Chris, sous-entendant qu'elle est entrée dans le Dark World avant nous. Globalement, c'est très convaincant et j'ai pas vraiment d'alternative à proposer en l'état. On va être totalement franc. Non pas que je serais obligé d'avoir une alternative dès maintenant, on est qu'en chapitre 2, et on parle de ce qui est probablement l'antagoniste principal du jeu après tout, et c'est pour ça que, dans le même temps, ça semble faire un peu tôt pour de telles révélations. Je flaire un peu la fausse piste, honnêtement. Et ainsi, je continue d'avoir un peu de mal à y croire totalement personnellement, malgré le fait que ce soit extrêmement solide. Hein. Et voici certains de mes contre-arguments qui me semblent rendre le fait que Chris soit directement le Knight assez compromis. Pas impossible, mais assez compromis. Tout d'abord, il faut dire qu'on ne voit Chris créer une fontaine directement à l'écran qu'après qu'on nous ait expliqué comment faire en sa présence forcément parce qu'elle est toujours avec nous outre les fins de chapitre. Le reste pourrait n'être qu'un concours de circonstances au fond. L'argument le plus solide pour, c'est vraiment le fait qu'on le a, voit créer une fontaine et c'est tout. Il est également fort probable, et c'est un point extrêmement important, que la fontaine de la bibliothèque n'ait pas été créée entre la nuit du chapitre 1 au chapitre 2, mais plus tard dans la journée durant le chapitre 2. Alors que Noël et Birdly s'y trouvaient déjà, vu leur position en retournant dans Lightworld, ils semblaient avoir s'installer et poser certaines de leurs affaires pour travailler à minima et donc la fontaine se serait ouverte à ce moment-là un moment où on contrôlait le corps de Chris lorsqu'on était dans le Dark World de Ralsei à moins évidemment que l'on puisse créer un Dark World sur minuteur à l'avance ce qui reste à prouver le fait que Chris est ouvert celui-ci semble assez compromis à vrai dire il faut dire aussi que Chris n'est reconnu par absolument personne comme étant le Knight même par ceux qui l'ont probablement déjà rencontré comme King ou Shaum. il est possible qu'il ait adopté une forme différente de la nôtre dans le Dark World mais à nouveau ça reste à prouver et pour finir, un argument sur l'aspect visuel du Night and nouveau, et qui va pouvoir prendre le même contre-argument du changement de forme dans le Dark World, mais bon, passons. Initialement, et d'après le stream des 6 ans d'Undertale où Toby a dévoilé certaines des musiques coupées de Deltarune, il a dit, concernant celles que vous pouvez actuellement entendre en fond, cette composition date de très tôt dans le développement. Je l'ai créée en pensant à une intro animée du jeu, similaire à celle de Wild Arms. Ouais, 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 ouais. Très très bonne référence, Toby. Pourquoi t'as pas fait ça Genre vraiment, en fait, s'il te plaît, fais-le. Ok, bref, passons, je continue. La meilleure partie aurait été à la fin, avec tout le monde courant pour monter les escaliers, des silhouettes des boss de tous les chapitres apparaissant au passage, et le Knight se tenant devant une porte blanche tout en haut, se retournant en les regardant d'en haut. Ceci implique que le Knight, ou du moins une silhouette de ce dernier devant la porte blanche, aurait été visible par le joueur dès l'intro de Deltarune. Et donc que si glissait le Knight, il devrait à nouveau prendre une forme très différente dans le Dark World pour ne pas être immédiatement démasqué. Et on ne sait pas si c'est possible de se transformer à ce point à vrai dire. Il est important de noter cependant que ce Plan semble donc dater de très tôt dans la création de Deltarune, possiblement même pré-Undertale, et beaucoup de choses pourraient avoir changé depuis, même dans le scénario même du jeu. Même si je dois avouer que ça m'étonnerait, sachant qu'on parle à nouveau de l'identité de l'antagoniste principal, c'est pas tous les jours qu'on change ça dans l'histoire qu'on veut raconter absolument depuis 10 ans, mais ça peut arriver, je suppose. Et donc voilà, à nouveau, pas de preuve absolue que Chris n'est pas le Knight, on peut imaginer un scénario où on évite tous ces contre-arguments, j'en suis conscient. Je dis juste que personnellement, ça me semble assez compliqué les choses pour ne pas vraiment adhérer à l'idée que c'est en effet Chris pour le moment du moins. Enfin, qu'elle soit le knight ou pas, on ne voit pas directement ce que Chris fait en chapitre 20 après s'être débarrassé de nous. Si ce n'est évidemment qu'elle mange entièrement le gâteau que Toriel avait fait la veille. Et il n'est pas impossible qu'elle soit allée dans le Dark World quand même, vu la présence d'une de ses sauvegardes qu'on y retrouve en chapitre 2. Et justement dans ce chapitre, Yel retire notre âme à deux reprises, mais ses actions sont bien plus claires, sans que les motivations ne le soient totalement pour autant. La première fois dans la salle de bain, pour sortir par la fenêtre, rôder autour de la maison et violemment lacérer les pneus de la voiture de Toriel, certainement de façon à lui faire peur et qu'est-ce Que Suzy reste pour la nuit. Même si ce plan semble relativement hasardeux et bancal, si je dois être honnête. Ça fonctionne, mais comment prévoir à l'avance que ça allait fonctionner On va revenir à cette idée, je fais pas remarquer ça juste pour critiquer. La seconde fois, directement dans le salon, aux côtés de Toriel et Suzy endormis, pour créer une fontaine après avoir ouvert la porte d'entrée et allumé la télévision. À nouveau, c'est bizarre, les motivations de crise dans ces deux dernières actions sont difficilement discernables en l'état. Il est possible qu'elle ait ouvert la porte pour laisser entrer l'officier de police, certainement Endine à nouveau, que Toriel a appelé au préalable, ou qui que ce soit d'autre qui passerait par là. Et est allumé la TV de façon à peupler le Dark World ainsi créé, vu que tout tournera probablement autour de cette télé dans le prochain chapitre, je suppose, et peut-être le rendre plus dangereux, éventuellement. Mais bon, tout ceci reste un peu teinté de mystère. Et donc, comme beaucoup de ce qui entoure, tout ce qui est lié à ce que peut bien faire Chris, si vous voulez mon avis, il y a quand même certains détails placés là de façon très précise et un peu étrange, peut-être trop précise et trop étrange. Bon, c'est le moment où je passe à nouveau un peu en mode théorie du complot, mais que Chris soit le Knight ou pas, je pense qu'elle nous manipule d'une certaine façon, quitte à préparer des choses à l'avance qui n'ont pas vraiment de sens, du moins si elle ne savait pas précisément ce qui allait se passer. L'exemple qui me retourne le plus le cerveau à ce sujet, c'est celui de la TV chez Toriel, la télé elle-même, parce que Chris vient de faire. Comme je viens de le dire. Chris allume la télé juste avant de créer le Dark World. Un élément qui déjà semble étonnamment précis, je me permets d'appuyer dessus encore plus. Mais voilà, si vous vous souvenez bien, en fin de chapitre 1, si vous alliez check la TV, il se trouve qu'elle n'était pas branchée. Probablement depuis longtemps, sachant que le sous-entendu de la phrase, c'est que ni Toriel ni Chris ne la regardent jamais. Peut-être qu'avant d'être viré de la maison, Asgore s'en servait quand il dormait sur le carnet épée, parce que oui, ça aussi c'est canon. Ou qu'Asgore s'en servait pour jouer aux jeux vidéo, mais il est bien moins là. Bon, auquel cas, c'est peut-être Toriel qui l'a rebranché avant de l'allumer, off-screen. Sauf que non, si vous vous allez check la télé dès le matin du chapitre 2, vous verrez qu'elle est branchée. Ce qui veut bien dire que quelqu'un l'a rebranchée dans la nuit, entre les deux premiers chapitres. À moins que pour une raison encore inexpliquée, mais je vois vraiment pas pourquoi, ce soit Toriel qui l'ait regardé ce soir-là, il y a bien une personne toute trouvée qui a été réveillée cette nuit-là, et qu'on sait avoir été dans cette pièce vu qu'elle a mangé la tarte de Toriel. Chris, mais à ce moment-là, vient à nouveau la même question, pourquoi faire ça Je n'y vois vraiment pas d'autre intérêt que pour préparer à l'avance les événements du lendemain soir. Et ça n'a aucun sens parce qu'il faudrait savoir que les événements du lendemain demain soir vont avoir lieu. Et c'est là que je me mets à parler d'un autre personnage qui est extrêmement suspect, d'exactement la même manière, sur de petits détails comme celui-ci, à savoir Ralsei. Je vous avais fait relever sa phrase, bizarrement, sur la défensive, où il dit à Suzy, qui est perturbée, mais n'a pas particulièrement demandé ça, que ce qu'ils viennent de vivre ne veut pour le moment rien dire, juste après le combat contre Spamton Neo, comme pour l'empêcher de réfléchir à ce que tout ce qu'ils viennent de voir implique. Mais la scène à laquelle vous devriez immédiatement penser si vous avez fait ce chapitre et que je ne vous ai décrite que très rapidement sinon, celle qui devrait allumer tous vos red flags quand je parle de ça, c'est celle du rendez-vous entre Suzy et Noël à nouveau, ou plus précisément ce qui vient juste avant. Alors qu'on se dirige vers Queen, notre diversion faite, Ralsei nous interrompt soudainement pour nous demander de façon très insistante, à savoir que pour passer cette séquence il faut refuser deux fois de suite, si on ne voudrait pas voir ce que font Suzy et Noël. C'est un peu particulier mais pourquoi pas. Là où ça devient carrément bizarre, c'est en Snowgrave Route, où on ne s'est pas séparé et donc on accompagne Suzy jusqu'à la porte de la chambre de Noël. Mais où de la même façon, Ralsei nous demande si on ne voudrait pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, notre personnage étant ce qu'il est dans cette run, on ne lui répond tout simplement pas. Et de toute façon, au bout de quelques secondes, Suzy ressort par la même porte et nous dit qu'on y va, sa conversation avec Noël ayant certainement été écourtée par les circonstances. Ce sur quoi Ralsei, qui n'est sinon pas particulièrement au courant de ce qu'on a pu faire dans cette run, hein, réagit avec énormément d'étonnement, comme s'il s'attendait à quelque chose de plus. Et va même jusqu'à commencer à dire, attends, on était censé avant de s'arrêter là. Puis il appuie beaucoup à poser des questions sur ce qu'il s'est passé avec Noël, comme si à nouveau il attendait à ce qu'elle se déclare plus ou moins leur flamme dans une run normale mais évidemment rien de tout ça ne se passe et ça ne s'est jamais passé dans cette timeline et donc la réaction de Ralsei n'a à nouveau aucun sens comment pourrait il savoir ce qu'il devrait normalement se passer il n'a pas vécu d'autres versions des événements contrairement à nous et ne sait pas ce qu'il se passe normalement entre guillemets mais en réfléchissant un peu plus autour de cette scène on devrait pouvoir commencer à comprendre parce qu'au point où on en est la théorie que Ralsei cache quelque chose est devenue relativement populaire mais la plupart du temps je vois surtout des gens qui parlent d'éléments mineurs à part ce que je viens de mentionner comme par exemple le fait qu'il nous a déjà caché des trucs à plusieurs reprises son visage la prophétie complète sur la fin du monde et je suis même pas sûr qu'on l'ait encore totalement à vrai dire le fait qu'il n'est pas clair sur ses origines qu'il est le seul à parler de certains éléments de l'univers et à bizarrement en savoir autant ce qui ouvre à ce qu'il invente des choses sur la prophétie ou sur les fontaines par exemple le fait qu'il arrive à se rendre dans le dark world de la bibliothèque on ne sait trop comment et j'en ai vraiment aucune idée au passage etc et je veux pas totalement baisser l'importance de ces arguments évidemment je pense que c'est pas totalement anodin si tout le monde a l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec lui probablement que ça veut dire quelque chose mais il faut des arguments en dur et très rarement je vois les gens discuter de l'élément auquel je vais venir là, alors que c'est juste la plus grosse preuve qui se trame potentiellement quelque chose derrière tous ces éléments qui sinon serait étrange, mais relativement anodin en l'état. Parce que donc, des scènes comme ça où Ralsei nous demande de façon assez insistante si on ne veut pas voir où est Suzy, comme dit plus tôt, il y en a deux, celle dont on vient de parler et celle dans les geôles du chapitre 1, qu'on ne peut pas du tout passer pour le coup même si on le veut. Et dans ces deux cas, je vous ai dit que nous étions, en tant que joueurs, comme transportés dans la scène, laissant pendant un temps notre réceptacle derrière nous et nous concentrant sur Suzy. Mais maintenant, non, réfléchissez aux implications que ça a si nous on est parti faire autre chose et qu'on est en train de regarder ailleurs qu'on est ailleurs en quelque sorte et eh bien qui contrôle notre corps derrière nous exactement et les deux fois précisément de la même manière à l'instant où on revient à nous-mêmes Ralsei est en train de dire alors c'est pour ça nous interpellons même la première fois d'un ok Chris, comme si on venait soudainement de s'arrêter de lui parler et qu'il nous relançait. Mais donc ça n'est pas à nous qui parlait là. Même dans l'hypothèse où on aurait été en train de lui décrire la scène qu'on voyait avec Suzy, dont on n'a pas de preuve, il aurait pas vraiment répondu ça ou pas dans les deux cas, il parlait à quelqu'un d'autre. Et ça ne laisse qu'une personne. Chris Remettez maintenant dans son contexte le fait qu'à chaque début de chapitre, Chris a une sauvegarde dans le Dark World, qu'on doit probablement considérer comme étant celui de Ralsei spécifiquement. Ralsei profite de ces moments pour parler à Chris. Il sait tout, il est au courant des agissements de Chris, probablement aussi du fait que notre présence est anormale, et jusqu'à un certain point, il l'aide, ou du moins essaie de tirer son épingle du jeu dans toute cette situation. Et le pire, c'est qu'on ne sait même pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ce qu'il a pu nous dire, parce que personne d'autre que lui ne prétend en savoir autant sur les Dark Worlds. Et dans ce cadre, il est difficile de dire jusqu'à quel point ce que nous rencontrons dans ces chapitres n'est qu'un gros coup de montée. Mais en tout cas, vu sa réaction en Snowgrave, Ralsei avait clairement prévu à l'avance que ceci serait un moment avec Noël et que probablement on irait voir ce qui se passe et qu'il pourrait discuter avec Chris. Et on voit comment il est déboussolé quand ça n'arrive pas, comme si leur plan avait déraillé sans qu'il ne sache exactement comment. C'est difficile de dire comment ils peuvent savoir tout ça à l'avance, je doute qu'ils puissent totalement prévoir chacune de nos réactions une par une à l'avance. Évidemment, la solution la plus simple, c'est que Chris a la sauvegarde et nous manipule totalement parce que c'est qui se passe plus tard, mais ça va être très difficile à prouver en l'état, donc tout ce que je peux dire pour le moment c'est que je ne sais pas. Si je dois le résoudre simplement, c'est comme ça, mais voilà. Et un dernier détail qui m'en rend complètement fou en sachant tout ça, du moins dans le cas où Chris est le Knight, ou si nos deux conspirateurs sont liés à certains des Dark World, dont celui de ce chapitre, c'est lorsque Ralsei arrive de façon très légère sur place, et juste pour cette simple réplique, on dirait qu'une nouvelle fontaine est apparue. Il prend soudainement un ton un peu plus sérieux, et dans son sprite d'overworld comme celui de dialogue, il se tourne brièvement directement vers Chris avant de reprendre sa posture de base et son ton initial. C'est presque un clin d'œil fait ouvertement au point où on en est. Tout ceci semble non seulement sous-entendre que Ralsei sait des choses qu'il ne nous a clairement pas dites, mais en plus qu'il agit au moins en partie avec Chris, possiblement le Knight donc. En tout cas, quelqu'un dont les intentions ne semblent pas bonnes du tout en l'état ou n'allant pas dans notre sens. quoi. Il faut là un petit peu relativiser cependant. On a encore bien trop peu d'éléments, d'autant plus par rapport à tout le reste du jeu où il est irréprochable, pour affirmer que Ralsei est un méchant ou quoi que ce soit de similaire. Ses intentions finales sont certainement bonnes, j'en doute pas une seule seconde. Peut-être qu'il est manipulé, peut-être qu'il essaie de trouver un compromis avec Chris, peut-être qu'il nous a tellement caché de choses qu'on se trompe sur la définition même de ce qui est bien dans ce monde. Par exemple, si les fontaines d'ombre ne sont pas un si grand mal. Ou peut-être, et c'est un petit peu plus ce que je pense, qu'il se trompe sur la manière d'atteindre ce bien auquel il aspire probablement. Et je pense ça parce que ça va lui permettre un arc de personnage un petit peu plus tard dans le jeu du coup. Quoi qu'il en soit, ceci pose beaucoup de questions sur les futurs chapitres et pourrait être la clé de la compréhension du réel fonctionnement du Dark World, des intentions de Chris, et donc, peut-être, du Knight aussi. Enfin, vous l'aurez compris lors de la première partie de cette vidéo, mais je ne pense plus vraiment en l'état que Gaster est lié au Knight, mais seulement à la personne qui a rendu les boss secrets fous. Et donc je vais avoir du mal à vous en parler autour de ces sujets. Les nouvelles informations le concernant sont plus que rares quoi qu'il en soit. Je pense quand même qu'il aura une importance capitale, sachant qu'il est basiquement confirmé que c'était lui dans l'intro et l'annonce du jeu. Je suis curieux de voir comment il va être traité, mais son moment n'est pas encore venu je dirais. Ceci dit, je vous propose tout de même de revenir sur un terrain qui est censé être le sien pour la dernière chose dont je voudrais parler dans ce cette vidéo, et qui va également concerner Chris, à savoir l'intro, justement. C'est un sujet qu'on aurait déjà pu traiter dès le chapitre 1 si on avait été assez attentif à l'époque, honnêtement. Et rapidement après ma vidéo à l'époque, il a été mis sur le vent de la scène, notamment via ce post de Raptoi Ryu sur le R Delta Rune. J'ai beaucoup parlé ici des similarités entre Chris et Kara en particulier. Leurs ressemblances sont assez évidentes. Déjà physiquement, mais ensuite dans leur rôle de compagnon plus ou moins passif du joueur, leur potentielle agressivité, d'autant quand on parle du Kara de la run génocide, suivant quelque chose de proche de sa propre philosophie et non. Celle du pacifisme d'Azriel, leur absence d'âme, leur lien au couteau, à la couleur rouge, etc. Et ils se font ouvertement écho l'un à l'autre, je pense que c'est indéniable. Et au point où nous en sommes, il reste encore possible que les similarités aillent plus loin que la simple référence, et qu'elles doivent être prises plus littéralement. Oui, on va reparler là de la théorie de la post-génocide. Dans l'intro du chapitre 1, donc, ce qui semble être Gaster nous aide assez longuement à créer un avatar, nous demande son nom, ses goûts, notre nom également, qui ressert d'ailleurs pour nommer la ville du château de Ralsei en chapitre 2 de façon intéressante, avant de soudainement le détruire, de nous dire que dans ce monde on ne choisit pas qui l'on est, vous le savez bien. Du moins c'est ce qu'on pensait à l'époque. La découverte initiale faite dans cette séquence concerne le formatage des textes, ce qui est fait avec des typers dans le code du jeu. Un typer est donc une sorte de descripteur donnant sa forme au texte, associé à un certain nombre d'attributs. La police d'écriture, le contexte dans lequel ce texte apparaît, le son qui se joue avec, par exemple la voix d'un personnage quand c'est lui qui parle, etc. Et donc l'analyse des typers utilisés dans cette séquence a mené à la formation d'une théorie où en vérité il n'y aurait pas un mais deux personnages dans cette intro qui parleraient. En l'occurrence on peut distinguer un premier personnage pendant la quasi-totalité de l'intro qui nous aide donc à créer notre réceptacle. Il semble prendre la suite directe du personnage qui parlait sur le Twitter de Toby à la sortie du premier chapitre et utilise les typers numéro 666 et 667 pour son thème sachant qu'il est habituel qu'un même perso ait plusieurs typers qui soient numérotés à la suite pour parler dans différents contextes visuels. Ces deux éléments vous faisant bien comprendre, avec la musique en fond qui reprend son thème qui plaisait, que le personnage en question n'est nul autre que Gaster donc. Mais maintenant vient le potentiel second personnage, avec le typer numéro 2 qui n'a donc rien à voir, n'a aucune raison d'être lié avec le 666 ou le 667. C'est celui qui semble donc venir couper le premier, se débarrasser de notre avatar et nous envoyant dans Chris à la place. Visuellement on voit très bien la différence et à vrai dire on aurait pu déjà faire une hypothèse qu'il y avait deux persos dès le départ, à ce moment-là. Mais donc, ce qui a mis la puce à l'oreille sur la direction d'une confirmation de ça, initialement, c'est l'idée qu'avec un numéro typer si éloigné, on a là affaire à un personnage différent, qui n'a vraiment rien à voir avec le précédent, et je sais ce que certains pensent déjà de ce que je viens de dire, je vais revenir à tout ça juste après. Ceci a mené à la découverte que c'était associé également à un changement de ton qui est particulièrement perceptible dans la version japonaise du jeu. Le japonais permettant globalement de clarifier beaucoup plus rapidement et simplement à l'écrit la façon de parler du locuteur, notamment Via les pronoms utilisés ici. Par souci d'honnêteté, je précise que je ne parle pas japonais, donc j'ai pas moyen de vérifier directement, mais de ce que j'en ai vu, les personnes s'étant exprimées sur le sujet ont vraiment décrit une différence entre les deux personnages qu'on propose là. Le premier parlant d'une façon très chaotique et mystérieuse, ce qui collerait bien à Gaster, bien qu'on n'ait pas tant que ça de texte de lui pour comparer dans la version japonaise d'Undertale, et le second parlant en désignant le joueur avec des pronoms différents, qui a un ton très formel et plus soutenu, et dont le style ne peut correspondre qu'à un personnage de la version japonaise d'Undertale, mais semble pour le coup correspondre à la personne à savoir Kara. Et justement la forme dans laquelle Yel parlerait ici, en blanc sur fond noir le plus simplement possible, n'est pas sans rappeler son apparition en fin de génocide justement. Mais là où les choses vont un peu se compliquer et devenir flou c'est que là sur le moment vous devez vous dire que c'est très fort comme découverte, mais ce que je dois vous révéler, c'est qu'il y a un gros contre-argument découvert relativement récemment à ce dont on va parler, et qui rend le postulat de base assez factice. À savoir le fait que le Typer 2, qu'on a donc associé à un supposé second personnage, ne semble en vérité pas particulièrement être lié à un personnage en particulier, mettre un typer par défaut. Un format de texte de base dans lequel n'importe quel personnage peut piocher si besoin et utilisé en particulier quand un personnage doit parler sérieusement avec la police de base du jeu et en coupant la musique. Ce qui est ce qui arrive ici évidemment, mais par exemple, le typer 2 est aussi utilisé pour ce dialogue de Suzy un peu plus loin. Ceci signifie que techniquement au final et malgré le grand écart de valeur entre 666 et 2, rien n'empêche Gaster d'avoir parlé avec le typer 2. Lui aussi peut l'utiliser comme il n'est lié à aucun personnage en soi. De là, je comprends totalement le point de vue de dire que tout ceci n'était qu'une fausse piste, et que c'était bien Gasser qui parlait. Ce qui a pas mal été la réaction à cette information, prenant suite à toute une époque où la commu était assez certaine de toutes les théories que je vais avancer juste ensuite. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce n'était pas le seul argument. Ça a mené à la découverte d'un autre argument, l'argument du ton utilisé en japonais, qui reste et semble toujours faire une différence évidente entre les deux dialogues. Les deux personnages supposés ne s'expriment vraiment pas de la même manière, et de ce que j'en reprends, non pas comme si Gaster changeait de ton pour montrer un visage plus cruel de sa personnalité, non, bel et bien comme deux personnes bien séparées, justement. Ainsi, je pense que c'est malgré tout un autre personnage qui utilise le Taper 2 ici. Mais voilà, vous avez toute la situation pour en juger, et si jamais il faut trouver un point faible aux conclusions qu'on va tirer de tous ces éléments, je vous le dis ouvertement, le point faible il est là. Enfin, admettons que tout ça est vrai. Il y a un second personnage dans l'intro qui coupe Gaster, et celui-ci s'exprime exactement comme Kara dans Undertale. Jusque-là, cela dit, rien ne prouve réellement que ce personnage est forcément. Rat. Cela pourrait simplement être le narrateur de Delta Rune qui s'exprime globalement de la même façon. Et donc, d'autant plus si c'est Chris, son alter ego, ça ferait sens. Ce qui change les choses, c'est l'action à laquelle on assiste en elle-même et qui n'est absolument pas anodine. Premièrement, Yel apparaît à nos côtés avant même que l'on ne rejoigne le spectacle Chris, le corps, parce que toute cette séquence se passe avant ça. Donc, ce qui peut vouloir dire qu'appeler notre narratrice Chris est une erreur en premier lieu. Peut-être qu'elle n'était pas là avant que l'on rejoigne Chris et que Chris était habité par encore un autre esprit et qu'elle était plutôt avec nous. Dans l'âme, par exemple. Deuxièmement, ça signifie que ce personnage est capable de stopper l'envoi par Gaster lui-même d'un Goner dans ce monde. Alors, je m'explique ici sur le terme de Goner parce que c'est pas exactement la définition qu'on en donnait du temps où on utilisait ce terme pour Undertale. Donc, dans les fichiers, le corps qu'on crée dans l'intro est nommé un Goner. Ce que j'en tire avec ce qu'on a pu voir dans Undertale encore une fois, c'est qu'un Goner au sens large est une création de Gaster qu'il tente d'envoyer dans le monde. C'est une petite update euh, sur ce qu'on avait pu théoriser sur Gaster à l'époque, mais voilà. Retenez donc que notre narrateur a le pouvoir d'empêcher Gaster D'utiliser les siens, qui sont censés être des pouvoirs de manipulation jusqu'à un certain point de l'univers tout entier. Et ce, de façon à envoyer l'âme du joueur là où il le souhaite, dans le réceptacle qu'on appelle Chris, donc, impliquant donc un énorme pouvoir. Évidemment, rien n'empêche en soi que ce narrateur soit bel et bien Chris, tel qu'on l'a appelé jusqu'à présent, à la condition qu'elle soit assez puissant ou puissante pour presque contrôler cet univers et stopper quelqu'un qui se trouve sensiblement en dehors. Ce n'est pas impossible, mais ça semble assez improbable, dit comme ça, on va pas se mentir. D'autant, dans le Light World, où on n'a encore vu aucun signe de TT ou de la sauvegarde par exemple, en admettant à nouveau que tout ça soit similaire à Undertale et fonctionne pareil. En revanche, c'est quelque chose d'acquis concernant Kara Post-Génocide, qui se trouve au bon endroit, c'est-à-dire dans notre âme, avec nous, en dehors de l'univers de Déterune avant d'y être envoyé, et aurait bel et bien l'intention de faire ce genre de choses pour avoir le contrôle et faire tomber un monde de plus qui plus est. D'où cette idée que c'est un argument supplémentaire et un de taille pour la théorie de la post-Génocide. Ça pourrait être juste Chris, mais ça ferait bien plus de sens si c'était Cara, et donc qu'on était le joueur d'Undertale qui aurait ensuite rencontré Gaster et été envoyé dans ce monde. Et donc ensuite que Chris n'est que le corps dans lequel on débarque. Et peut-être même un esprit peu important qui existait avant, un peu comme Frisk dans Undertale. Et l'idée c'est donc que Kara est notre narratrice et la personne qui manigance des trucs la nuit, cherchant à s'amuser à détruire ce monde aussi. Du coup maintenant, en prenant un peu de recul, j'avais déjà présenté cette théorie, sans cet argument, lorsque j'avais traité le chapitre 1. J'avais alors dit que je n'y adhérais pas. Et on va pas se mentir, c'est en bonne partie parce que, comme pas mal de monde, j'aime pas particulièrement cette idée de base. Disons que la un run Genocide euh, se balade en permanence avec un background qui fait que je la vois de base un peu d'un mauvais œil personnellement. Et je pense pas être le seul. Elle transmettait un message assez lourd, de façon un poil naïve et directe, je serais le premier à l'avouer, mais a pas mal été reprise et fétichisée, là où justement l'idée c'était qu'on était, qu était censé ne jamais y toucher, par la partie de la communauté se sentant un peu edgy d'Undertale, on va dire, qui s'est rapidement mise à représenter la communauté dans son entièreté ensuite. Surtout à ses débuts, disons. Y comprenant un message inverse que celui qu'elle donnait de mon point de vue, n'y voyant qu'un truc cool parce que ce Sombre, là où l'idée c'était plutôt de dénoncer la violence qui pouvait être créée par la curiosité morbide des joueurs. Mais c'est re-réfléchir à ça qui m'a fait un peu changer d'avis sur le fond. Au final, est-ce que la réaction qui a suscité la run génocide n'est pas précisément la preuve de la morale que Toby avançait Il voulait parler d'un détachement du joueur de ses actions rien que par attrait de l'obscur. Et c'est précisément ce qu'on a observé dans la réaction de la commune. Et c'est pour ça que je pense y être un peu plus ouvert aujourd'hui. Et je me dis qu'au contraire, donner à la fin que la communauté a choisi, à tort, d'adorer pourrait être super intéressant. Parce que ça pourrait être un Moyen d'étendre et de clarifier le propos qu'elle avait, et même peut-être de parler de sujets un peu méta indirectement. Alors, de façon un peu plus terre à terre, je sais bien, Toby a dit que Delta Rune n'était pas une suite d'Undertale, mais bon, au sens large, ça resterait un univers alternatif. Et on a déjà discuté lors du chapitre 1 de liens entre Undertale et Delta Rune, sans que cette règle ne nous gêne plus que ça. Ce n'est pas interdit qu'un ou deux personnages soient littéralement les mêmes entre les deux jeux. Ça ne dérange personne quand on questionne si Gaster est le même entre Undertale et Delta Rune, par exemple, ou même avec Sen, c'est le fait qu'il est littéralement le restaurant de Grillby de Undertale dont il a gribouillé euh, le panneau, je sais toujours pas quoi faire de ça, <laughs> et ben ce serait pareil avec Kara et potentiellement avec nous le joueur, mais bon on est le, on est le joueur, enfin je, je suis la même personne que la personne qui a joué à Undertale disons. Et au contraire à vrai dire, ce serait même une explication d'une autre réponse qu'a donné Toby, et qui semble contre à première vue, sur à qui est destiné le jeu justement, à savoir qu'il semble vraiment vouloir appuyer qu'il est destiné aux joueurs d'Undertale spécifiquement, donc qu'il faut certains acquis du thé pour pouvoir pleinement profiter de DR. Maintenant, est-ce que j'y crois totalement Je ne pense pas. C'est quand même gros et j'ai besoin de preuves supplémentaires, aussi solide celle-ci soit-elle, une fois qu'on admet que la preuve du japonais est suffisante. Mais bon, le fait que la poste du site soit toujours une théorie viable me semble intéressant. Pas suffisamment pour trancher, mais c'est intrigant quand même. Et à minima, même si Kara n'a rien à voir avec tout ça, n'oublions pas que, dans l'idée où il y aurait bien deux personnages dans cette intro, l'autre resterait Chris. Et ça, ça reste gros. Ça pourrait bien être un signe avant-coureur de la menace qu'elle pourrait représenter à l'avenir. Je vous parlais de la possibilité que Chris ait la sauvegarde un petit peu avant, peut-être que ça pourrait être un gros argument pour ça, parce que ça monte son pouvoir. Et ça pourrait être aussi un signe du contrôle absolu qu'elle pourrait bien exercer sur nous en vérité. Ainsi, je l'ai assez répété pour que vous l'ayez compris, je pense, le contrôle me semble être pour le moment la thématique principale qui se dégage de ces deux premiers chapitres de Deltarune. Évidemment, on a pu en voir quelques autres, en particulier celle de l'absence du libre-arbitre, qui vont être développées au fil du jeu, je n'en doute pas. Mais elles semblent toutes être subordonnées et se recroiser à l'idée de contrôle. C'est tout l'enjeu d'un personnage comme le nôtre qui tomberait dans un monde aussi mystérieux, pour des raisons et à cause d'autres personnages encore plus mystérieux. D'autant plus que la nature même de ce monde commence à se faire questionner de plus en plus des habitants du dit monde, dont ils sont pourtant natifs qui contrôle véritablement Delta Rune et que veut-il de nous Et lorsqu'on commencera à nous le révéler comme d'autres tels que Jevil et Spanton qui disent avoir reçu ces vérités, qu'est-ce qui nous dit que celui qui nous le révélera ne sera pas lui aussi en train de nous manipuler Et pour finir, ne serons-nous pas aussi forcés de manipuler d'autres pour atteindre finalement notre but pour enfin obtenir nos réponses Ce sont ces questions que pose Delta Rune et je suis pressé de voir la suite parce que vérité ou mensonge, ça s'annonce déjà passionnant. Ça fait bizarre d'enfin arriver au jour où j'ai enregistré c'est tout trop, honnêtement. Mais merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager ou à vous abonner. Si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie en première, je vous rappelle aussi que je devrais dès maintenant être en stream pour la commenter, répondre à vos questions, etc. Le lien est dans la description et dans le chat en direct. Bien euh, déjà à noter que je vais parler de choses pas très joyeuses, de dépression et de ce genre de choses dans les minutes qui suivent, donc vous êtes prévenus. Vous l'aurez compris, je me suis spécifiquement décidé à n'enregistrer cette partie de la vidéo que le jour où elle serait finie, des mois après l'enregistrement des parties précédentes et encore plus depuis l'écriture du script, et je me tiens devant une table de montage quasi entièrement fignolée au point où on en est. Cette vidéo, elle est dans ma vie depuis plus d'un an et demi maintenant. Euh, elle m'a hanté et été un poids dans les pires moments, et elle a été une lueur d'espoir et d'encouragement dans les meilleurs, d'autant plus ces dernières semaines. J'ai vraiment encore maintenant du mal à m'imaginer la sortir, mais en me tenant devant le travail fini, et en le faisant, je tourne enfin une nouvelle page dans ma vie. J'ai eu plusieurs fois l'occasion, en stream ou sur Twitter, de m'exprimer sur ce pourquoi j'avais pris une si longue pause, une pause encore plus longue depuis la dernière fois où j'ai pu en parler, mais les raisons sont assez nébuleuses, honnêtement, et je les résumerai simplement par le fait que je me sentais simplement pas bien. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, en 2016, puis qu'elle a un peu commencé à décoller six mois plus tard, grossièrement, ça a été à la fois une aubaine, parce que j'étais un petit peu ce que je voulais, et quelque chose à quoi j'étais vraiment pas préparé. On va pas se mentir, j'étais encore un gosse, et même si c'est ce que je que je voulais, je me suis retrouvé bloqué dans un rôle et un personnage. Celui de vidéaste espérant pouvoir en vivre un jour, avec une image à tenir, une communauté à gérer, ce genre de choses. C'est un métier qui peut sembler facile au premier abord et surtout de l'extérieur, mais aucun métier ne l'est vraiment. La pression qu'on ressent sur ses épaules est permanente, on se sent tout le temps au bord du précipice si on ne se pousse pas assez à produire du contenu, à se conduire parfaitement, etc. Et croyez-moi que c'est pas pour rien que le cliché que la plupart des youtubeurs sont profondément déprimés et anxieux existe. On va pas se mentir, c'est même pas un cliché, honnêtement. Les années ont continué d'avancer, la pression de se de mode de vie à monter dans ma tête, et je ne me suis jamais vraiment permis de prendre le temps de m'arrêter quelques temps, et de réfléchir à ce pourquoi je faisais tout ça au fond, si ça m'allait toujours, etc. Des pauses, entre guillemets, j'en ai déjà eu tout un tas, cela dit. Et de plus en plus nombreuses et longues avec le temps, enchaînant les burn-out, entre autres. Et donc, je pouvais pas vraiment profiter de ce genre de pause pour me ressourcer, juste uniquement pour reprendre ma respiration, avant de replonger dans les emmerdes. Et c'est comme ça que cette énième grande pause a commencé. Comme un énième burn-out, mais celui de trop. Au bout de quelques mois, il est devenu assez clair que je ne trouvais plus la force de me remettre au boulot quoi que je fasse. Et j'ai fini par abandonner mes projets du moment, que j'avais déjà annoncé comme étant un BTPscope Petscope et une analyse. Ce qui veut absolument pas dire qu'ils reviendront pas un jour au passage, mais voilà. Ça m'a enfin permis de réfléchir à si cette vie était vraiment ce que je voulais, remettre à place ce pourquoi je faisais ces vidéos, d'enfin me ressourcer un peu, et beaucoup de grandir intérieurement aussi. Parce que c'est à ça que sert une remise en question au fond. Passé cette période, fin 2021, j'étais décidé. Je savais que je reviendrais faire des vidéos un jour, sans savoir quand, mais je savais. Delta 1 chapitre 2 est sorti à cette époque, et ça y est, j'avais mon sujet, plus qu'à travailler sur le reste. Et le reste, c'était mon état mental. Même si la deuxième moitié de l'année avait été meilleure pour moi, je n'allais pas bien en 2021, et ce en bonne partie à cause de ce que je faisais sur Internet. Je me foutais la pression en permanence, j'avais l'impression de pas pleinement pouvoir être moi-même, et honnêtement ça me rendait fou. Et travailler sur ça, de la même façon que ça a pris des années à venir, ça prend des années. Alors simplement, j'y suis allé à mon rythme. J'ai bossé les jours où je me sentais bosser, faisant parfois des semaines, voire des mois de pause entre deux, et c'est comme ça. En termes de temps brut de travail, la sortie de cette vidéo n'a jamais été bien loin, et c'est pour ça que par moment, et je le regrette, j'ai pu annoncer des dates. Restait 4 ou 5 semaines de travail tout au plus. Mais mentalement, j'étais pas prêt. Et revenir sans se sentir prêt aurait été complètement inutile à mes yeux. À quoi bon ressortir une vidéo si c'était pour redisparaître immédiatement à nouveau ensuite Ça m'intéressait pas. Et voilà, on est plus d'un an après, ça a pris bien plus de temps que je ne le pensais, mais ouais, je me sens bien mieux quoi j'ai pas encore vaincu tous mes démons bien évidemment mais j'ose espérer que je suis en bonne voie et je continuerai d'aller à mon rythme parce que c'est comme ça que je m'améliore et il y a que comme ça que c'est sain de bosser pour soi même bien pour revenir à cette vidéo j'avoue que je sais pas quoi en penser tant elle incarne du négatif et du positif simultanément à mes yeux je suis aussi conscient qu'elle peut être assez inégale il s'est passé un temps fou depuis que j'ai écrit le premier jet le script etc j'ai aussi beaucoup changé depuis je pense que c'est assez clair que le hype qui a fait l'interlude au milieu de cette vidéo n'est pas le même hype que celui qui n'ose rien faire par peur que ça ne marche pas d'il y a quelques Années, mais au fond, je pense que j'en suis particulièrement fier pour cette raison. Je sais pas jusqu'à quel point ça transparaît en la regardant, mais cette vidéo est, comme toutes mes autres, avant tout pour moi-même. Et moi, je vois et je me souviens de qui j'étais et comment je me sentais à chaque portion qui la compose. Et au-delà de représenter du négatif et du positif dans ma vie, j'espère qu'elle représente le passage de l'un vers l'autre. De l'amélioration. Mon amélioration. Et pour cette raison, sachez que ce fut un plaisir de la réaliser malgré tout. Et j'espère pouvoir vivre ce plaisir à nouveau pour les prochaines, tout simplement. Bien, <laughs> euh, ça va être dur de ressortir de ça. Mais moment émotion terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté là-dessus et j'avais besoin de l'exprimer au propre une bonne fois pour toutes. ont déjà dû commencer à défiler en fond, mais j'aimerais remercier tout particulièrement les gens qui ont continué de me soutenir financièrement pendant cette longue pause. Que ça ait été une fois, plus longuement ou pendant toute sa durée, ça me touche vraiment, mais genre vraiment, de chez vraiment. Euh, bon, j'ai dit que la séquence d'émotions était terminée, mais c'est vrai que j'arrive pas à comprendre et à rationaliser en quoi j'ai mérité ça. <laughs> mais voilà. Donc bon, à nouveau. Juste merci, simplement. Euh, si vous aussi vous voulez soutenir cette chaîne et mon travail, avec plus de vidéos que pendant ces deux dernières années on l'espère, euh, vous pouvez le faire sur Tipeee ou sur Utip. Les liens sont en description, et je vous en serai extrêmement reconnaissant également. Mais du coup, pour les nommer, je tiens à remercier Trizek, Pacho, Kalamitos, Eresia, Kasulesta, Ekia, Clipto, Shirosaki07, Kikrielos, Sowas, Shiglipu, Help, Spokik, Crodaliox, Krokenstein, Drott, Saiko Kuswo, Mister Septal... Hugues de connaît: Jovec, Irol Croco, Mr. Crow, Mr. Clem, Champicapi, Exoka, Quentin, Enifleda, Alastor, Kozotigd, Famuna, Yarasu, Babdou, Externs, Linktor, Futong, Sparda Dante, Matlink24, Kaka, Gonznik et Pafnafan. Voilà, j'espère surtout n'avoir oublié personne et ne pas avoir accroché vos pseudos. Auquel cas, je m'en excuse vraiment et encore merci. Également, merci à vous d'avoir écouté jusque-là, si vous êtes toujours là. Euh, si tout va bien, et ça devrait être plus simple qu'une vidéo de 2 heures disons, on devrait se retrouver la prochaine fois pour un nouveau MBT sur Kirby et sinon, occasionnellement en stream. J'ai hâte de tout ça. Et sur ce, j'ai plus grand chose à dire. Surtout, portez-vous bien. Captain Hype, out.